Nous avons pris l'habitude de commencer nos soirées à l'heure. Au moins pour respecter ceux qui viennent sans retard. Comme à l'habitude, vous le savez, il faut que vous rallumiez vos téléphones portables en partant. Et après nous être régalés de l'animation qu'a mise Médéric Gasquet-Cyrus, il faut que je répète que c'est grâce à Leïla Boutura que ce cycle langage existe, parce que c'est elle qui a vraiment sensibilisé tous ses collègues du laboratoire Parole et Langage et qui les a mobilisés pour que l'on ait une proposition aussi importante, aussi dense. Et elle devait intervenir ce soir, et puis elle a des soucis perso, et elle a trouvé son remplaçant, c'est Ramdan Touati. Ramdan, c'est un jeune doctorant, quelques semaines à peine, qui vient de... du mois de novembre. Donc c'est... Il est tout frais doctorant, donc soyez gentils avec lui. Mais il a déjà pris l'habitude de faire plein de conférences. Il intervenait la semaine dernière à la maison Berber, qui est rue de la Grande Armée, donc pas très très loin d'ici. Mais bon, ça, il a envie, besoin de transmettre et de faire partager ce qu'il a appris, ce qu'il a construit. Et Ramdan a une double compétence, à la fois la culture et la langue berbère. Et il enseigne depuis peu aussi. Il n'est pas encore HDR, habilité à diriger des recherches, mais il enseigne déjà à la fac à Aix-en-Provence. Mais il fait aussi plein d'autres choses. Il a mis en place une chorale, puis il fait des cours de berbère. Enfin, c'est quelqu'un qui a envie de s'approprier sa vie. Et je suis vraiment très, très heureux qu'il ait accepté de venir à l'Université Populaire. Il n'y a pas très longtemps, il ne savait même pas que ça existait. Il ne savait même pas que vous étiez fidèle et assidu à la Casa Consola et puis à l'Université Populaire. Et encore une fois, ça existe grâce à vous. Les intervenants sont les musiciens et ceux qui écrivent les partitions. Mais c'est bien parce que vous êtes le public fidèle et assidu et intéressé et attentif, c'est ce que me disent tous les intervenants, que cette Université Populaire a vraiment du sens. Donc ce soir, Ramdan va nous parler de la mort des langues. Et je crois que ça va être un grand moment. Moi, j'avais envie qu'il nous parle de la mort des langues et de l'incidence sur l'économie, mais je ne sais pas s'il va le faire. Mais si, peut-être qu'il le fera, peut-être que vous nous poserez des questions. Mais voilà. Mais dans tous les cas, il va nous faire part de ce qu'il sait de la mort des langues, des conséquences, au moins des conséquences sociales. Mais c'est lui qui fait la conférence, c'est pas moi. Passez une belle soirée. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci à vous tous d'être venus. Ça me fait un grand plaisir de parler devant vous. Merci surtout donc à Jean-Pierre, à Leïla aussi, hein, qui m'a fait sa place. Voilà, je pense qu'elle n'est pas là. Voilà. La conférence d'aujourd'hui, ça va être la continuité de celle de la semaine dernière, d'une certaine manière. Parce que d'abord, je vais juste commencer avec ma petite histoire. Je suis arrivé en France en 2009. Mon premier cours à l'université, le premier séminaire, c'est un séminaire de sociolinguistique qui était animé par, entre autres, Médéric Gasquet-Cyrus, qui a été la semaine dernière ici. Et le séminaire s'intitulait « La mort des langues ». Voilà. Donc moi, j'avais une licence de langue berbère en Algérie, donc en Kabylie. Évidemment, la sociolinguistique, c'est une discipline des sciences du langage un peu à part, parce qu'elle est parfois qualifiée comme la branche militante des sciences du langage. Elle ne s'intéresse pas seulement aux langues, tout simplement à la langue en tant que système de communication, mais aussi
à leurs conditions d'existence, donc à la langue elle-même, aux conditions externes d'existence de la langue, pas seulement en tant que système et à son fonctionnement interne, mais donc aux conditions externes d'existence de la langue, donc aussi aux locuteurs qui les parlent. Parce que ça, il faut le signaler, il y a beaucoup de linguistes qui veulent un peu, avec un peu de scientifisme, je ne sais pas comment le dire, un esprit un peu pour être vraiment scientifique, on va juste toucher au système linguistique, à la langue autant que système, comme un algorithme, mais on ne va pas parler du statut de la langue, de l'avenir de la langue, de la vie de la langue, de la vitalité, bien dit, s'intéresser aux locuteurs de la langue, parfois ça devient comme étant pas vraiment scientifique. Donc il faut juste parler de morphologie, de prosodie, de phonème, mais pas de communauté linguistique, pas de vie de langue, pas de mode de langue. Ça, comme si ce n'est pas un sujet, ce n'est pas le domaine des linguistes. Et le domaine justement qui s'intéresse de ce champ, parce que c'est un champ scientifique à part, c'est la sociolinguistique. Elle s'intéresse, c'est pas l'unique domaine, mais la sociolinguistique, elle étudie à la fois la langue et le rapport à la société, les conditions d'existence de la langue dans un groupe social. Parce que mais ça, dès le départ, dès les premiers linguistes, comme Saussure, mais aussi Antoine Millet, ils ont toujours parlé de la langue comme étant, Saussure par exemple, la langue est une institution sociale. Mais il est comme un fait social. La langue est un fait social. Mais malgré ça, il y a beaucoup de courants de linguistique, comme le générativisme par exemple, qui dit la langue vraiment comme, on va dire, comme un algorithme. C'est un système inné, biologique. Ce n'est pas social. Parfois, on dit la langue comme étant faisant partie plus de la physiologie, de la psychologie, comme étant non comme un phénomène social. Donc ça aussi, c'est pour ça que tout ce domaine de l'étude de la mort des langues, la vitalité, c'est les linguistes, c'est récemment qu'ils sont intéressés à ce domaine, parce qu'avant, ils étaient beaucoup plus intéressés au fonctionnement interne de la langue. Donc tout ça, en réalité, la sociolinguistique, donc c'est une science jeune, elle est récente par rapport aux autres domaines de la linguistique. Déjà pour ces considérations qui sont un peu historiques, qui sont liées aux premiers linguistes. Il y a beaucoup de linguistes dans le 19e siècle, comme Schleicher, c'est un linguiste allemand, qui étudie la langue comme un système biologique. Lui, c'est un botaniste qui devient linguiste et qui les ramène les mêmes. Quand on parle de branches de langue, les familles de langues, mais avec l'arbre généalogique des langues, ça, c'est vraiment l'influence des botanistes. Il y a d'autres qui disaient que la langue, c'est comme un système plutôt physique. C'est vraiment lié aux sciences naturelles et pas aux sciences humaines. Et tout ça a beaucoup d'incidence sur les travaux des linguistes eux-mêmes, parce que dès lors qu'on s'intéresse à la langue juste comme un système qui fonctionne d'une manière presque mathématique, on ne s'intéresse pas au reste, mais la langue, elle est parlée par qui? Est-ce qu'une langue peut exister en dehors d'une société? Ça, justement, on n'a pas encore une preuve qu'une langue puisse exister en dehors d'une société humaine. Et le côté humain, justement, de la langue, il est beaucoup marginalisé dans le domaine des sciences du langage. C'est seulement à partir des années 70 que, comme des linguistes comme Leibov et d'autres, sont intéressés aux versions sociolinguistiques de la langue. Donc, il faut avoir cette idée que de la particularité de la place de la sociolinguistique dans les sciences du langage en général et tout ce que ça a comme conséquence sur l'étude des phénomènes, en fait, des phénomènes de société qui concernent la société elle-même. Parce que beaucoup de linguistes qui étudient la langue pour elle-même comme un système de communication, en évitant de regarder tout ce qui touche, parce que la langue aussi, il y a tellement d'enjeux de toutes sortes, économiques, mais politiques, idéologiques, qui sont liés à la langue, qu'on évite justement d'éviter, et la sociolinguistique, d'un coup. Elle s'attache à cette question. Donc, il y a ce côté un peu particulier à la sociolinguistique. Et l'un des domaines de la sociolinguistique, justement, c'est la mort des langues, parce que la sociolinguistique, elle étudie les conditions externes d'existence d'une langue.
Évidemment, la langue, elle est parlée par des groupes humains, par des communautés, par des peuples, par des... Voilà. Qui se trouvent dans des sociétés. Et la langue, elle peut vivre comme elle peut mourir. Même si, à la fin, je vais parler un peu, justement, de cette métaphore, la mort des langues. Voilà, ça reste une métaphore. Parce que là, c'est aussi un vocabulaire de la biologie, d'autres domaines qu'on a emprunté à la sociolinguistique, la mort des langues. Mais ça reste, voilà, une langue, on ne peut pas l'imaginer juste comme un système qui existe dans des livres ou bien quelque chose qui ne change pas. C'est comme un organisme vivant, même si je suis un peu dans la sociologie, mais on peut dire comme c'est un organisme qui peut vivre, qui vit, qui se développe et qui peut disparaître. Et les langues qui meurent, ça a toujours été, donc c'est pas un phénomène récent. C'est très bien que depuis tout le temps, depuis l'histoire, les langues naissent et puis disparaissent. Comme les civilisations, elles disparaissent, comme les États, les peuples, voilà. Donc c'est pas, il y a un mouvement là-dessus. Sauf que le problème, c'est qu'à partir, donc il y a quelques décennies, là, le phénomène de la mort des langues s'est accéléré. Donc ça devient quelque chose de très, très... c'est frappant, c'est un peu comme, là je vais parler de ça, la biodiversité. Donc comme on parle de la biodiversité qui s'affaiblit avec la disparition de beaucoup d'espèces végétales, animales, la faune, la flore, etc. Ça a toujours été le cas, c'est pas nouveau non plus, les dinosaures ils ont disparu, mais depuis les dernières décennies qu'on a avec la pollution, avec tout ce que l'humanité a connu, il y a l'accélération de la disparition de beaucoup d'espèces. La langue c'est exactement pareil, même si c'est encore plus, même si on en parle beaucoup moins. Je vous donne juste, il y a un chiffre qui revient souvent, cité par les sociolinguistes justement, juste vers les années 2100, donc dans moins d'un siècle, 90% de langues pourraient disparaître. Donc c'est pas, on n'en parle pas beaucoup, c'est pour ça aussi que les linguistes ils commencent à la sonde d'alerte. Depuis les années 2000, même s'il y en a beaucoup qui ont commencé. Mais là, actuellement, vous avez une idée combien de langues existent dans le monde ? 6 000. 6 000, très bien. Entre 5 000 et 7 000. Donc 6 000, c'est vraiment... Oui, parce que les linguistes aussi, donc Midirek a parlé la semaine dernière, c'est vrai qu'on ne sait pas combien de langues existent dans le monde. Ça aussi, c'est un problème. Les linguistes eux-mêmes, il n'y a pas un critère pour dire qu'est-ce qu'une langue, pour faire la distinction entre une langue, un parler, un dialecte, une famille de langues. Bon. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire exactement combien de langues, mais environ 5 000 jusqu'à 7 000. Donc certains parlent de 5 000, 7 000, même parfois dans un site ou bien dans des références de linguistes. La même langue peut être considérée par certains comme une langue, d'autres comme une famille de langues, comme un dialecte. Hein. Donc ça aussi, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire combien de langues qui risquent de disparaître, mais on sait environ 90%. Donc quand on parle une langue, une grande langue, un peu comme l'anglais, le français, l'espagnol, ce n'est pas un phénomène auquel on peut penser directement, on ne peut pas ressentir ce que ça veut dire que sa langue disparaisse. Mais quand on parle d'une petite langue minorisée ou bien interdite ou en voie de disparition, ça veut dire beaucoup de choses, une langue qui disparaisse. Et là, 90% de la diversité linguistique mondiale qui est menacée dans quelques décennies, c'est une situation que l'humanité n'a jamais vécue. C'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'on parle de la disparition des espèces biologiques, végétales, de la faune, de la flore. Mais d'un point de vue culturel, l'humanité connaît encore un appauvrissement beaucoup plus important de ce que connaît déjà la biodiversité. Donc c'est un phénomène tout à fait menaçant et qui fait peur pour beaucoup de gens, hein, pour les linguistes, mais aussi pour les personnes, avant tout les personnes concernées, les communautés concernées, même si on sait très bien que la mort des langues, ce n'est pas nouveau. Par exemple, on sait qu'aux États-Unis, avant l'arrivée de Christophe Colomb aux États-Unis, il y avait quelque chose comme 300 langues. Et maintenant, on a moins de 175 langues, donc presque la moitié qui ont disparu. Et surtout que les 175 qui existent encore, elles sont tous en voie de disparition. Il y a quelques-unes, je ne sais pas, une dizaine peut-être qui ont certaines vitalités, et le reste en voie de disparition. Donc, c'est un phénomène... Depuis les années 70, que les linguistes commencent à parler d'une manière
un peu alarmante, mais seulement à partir des années 2000 qu'on a une série de publications, notamment comme Claude Hajjaj ou David Crystal et d'autres, qui en parlent beaucoup. Donc là, ça devient ça constitue même un domaine en linguistique, qu'on appelle la linguistique des langues en danger. Donc ça constitue tout un champ scientifique, bon, qu'on peut rattacher à la sociolinguistique, mais tellement il est important depuis les années 2000 que ça devient un champ très très important. Et la publication, il y a beaucoup de linguistes qui font ça comme domaine d'étude. Donc là, je vais parler de ce sujet tout en donnant des exemples, surtout en me référant un peu au domaine justement que je maîtrise le mieux, le domaine berbère. Donc, déjà, je ne sais pas si vous avez une idée, c'est quoi le monde berbère, où ça se situe. Oui, Amazir. Déjà, une petite... Trois pays, d'accord. Juste déjà une petite information. Vous savez qu'en France, bon, la langue officielle en France, c'est le français, évidemment. La langue de la République, etc. Mais il y a ce qu'on appelle les langues de France. Vous avez le nombre de langues de France, c'est 60, je pense 70 ou un peu moins. Hein. 70 langues qu'on appelle les langues de France. Et le berbère fait partie de langues de France. Donc c'est pour ça que ce n'est pas une langue si étrangère que ça. Mais bon, on sait très bien qu'il y a des langues qui sont des langues de France historiques. Hein. On appelle les langues régionales, bon, le basque, le breton, le corse, le provençal, bon, l'occitan, le problème de langue et dialecte, toutes les langues qu'on a ici. Il y a aussi beaucoup de langues d'immigration. Je pense qu'on parle des langues de France pour un peu ne pas trop parler, pour noyer un peu tout ça dans toutes ces langues qui existent. Mais par exemple, l'arabe dialectal maghrébin est considéré comme une langue de France. Le berbère fait partie des langues de France. Donc je vais parler un peu de berbère pour donner des exemples. Parce que là aussi, le berbère, il est parlé dans environ 9 pays, de l'Égypte jusqu'à l'Atlantique et de la Méditerranée jusqu'au Nigeria. Donc c'est vraiment, ça touche, mais c'est des îlots. Donc je vais donner des exemples, parce que quand on parle des langues, souvent, quand on parle des langues en danger, de langues vivantes, revitalisation, on cite souvent quelques exemples et souvent, on touche pas à beaucoup de langues. Souvent, quand on parle d'organisation, on parle de l'hébreu, quand on parle de langue morte, on parle du latin, du grec, alors que la vitalité, le phénomène est beaucoup plus large. Je vous donne des exemples sur le monde berbère, c'est aussi une occasion pour vous de découvrir un peu ce monde assez vaste. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau, mais qui prend beaucoup d'ampleur. Là, on dit que vers les 2100, il y aurait 90% des langues qui vont disparaître, donc presque plus de 5000 langues. Mais actuellement, si on parle de chiffres, hein, entre 5000 et 7000 langues existantes, elles n'ont pas toutes le même poids. C'est ça aussi ce qu'il faut. C'est vrai que les langues se valent pour les linguistes, mais d'un point de vue démographique, c'est pas du tout. Si on fait le compte, on est beaucoup moins de 100 000, je ne sais pas, d'avoir quelque chose comme. Moins de 100 000 locuteurs pour chaque langue. Si on fait la moyenne des langues. Donc actuellement, on a des langues qui ont presque 1 milliard de population de locuteurs et des langues qui sont parlées par quelques individus. Donc, quand on parle de ces 5 000 ou 7 000 langues, elles n'ont pas toutes le même poids. Il y a des langues qui sont parlées, on a très très peu, je pense 10% de langues, même pas, qui sont parlées par plus de 20 millions, 30 millions de locuteurs. Le reste, elles sont parlées par quelques individus, quelques milliers d'individus. Si on fait la moyenne, on parle d'une langue en danger, souvent, quand elle est parlée de moins de 100 000 personnes. Donc, c'est pour ça que quand on fait ces statistiques, combien de langues qui sont parlées par moins de 100 000 personnes, il y a beaucoup, justement. C'est l'écrasante majorité. Il y a très, très peu de langues qui sont parlées par plusieurs millions de locuteurs. Et là, de plus en plus, donc le phénomène prendre de l'ampleur parce qu'avec la mondialisation, mais aussi avec beaucoup de facteurs politiques, surtout, il y a des langues qui prennent l'espace des autres, donc qui écrasent d'autres. Il y a même Louis-Jean Calvé qui parle de glottophagie, hein, des langues qui, qui bouffent d'autres langues. Il y a aussi, bon, on parle, là je vais parler un peu pourquoi les langues disparaissent et comment les langues disparaissent. C'est vrai que le phénomène est parfois, ça rappelle un peu la sélection naturelle, ça rappelle beaucoup de, aussi ce que l'humanité a connu. Hein. Il y a aussi justement un autre livre de Calvé, qui est le titre, La guerre des langues. Donc il y a une guerre des langues, mais réellement une guerre des locuteurs. Ce n'est pas les langues elles-mêmes qui se font la guerre,
les interlocuteurs, chaque fois qu'il y a une injustice sociale, une injustice économique, une colonisation ou bien un bouleversement politique et même écologique, ça touche des populations humaines et ça affecte des langues. Donc tout ce qui touche l'humanité touche les langues, et tout bouleversement qui concerne n'importe quel groupe humain a des conséquences d'un point de vue linguistique. Et avec tout ce que connaît l'humanité ces dernières années, ces dernières décennies, évidemment, ça a beaucoup d'effets sur la langue. D'abord, comment les langues disparaissent? Déjà, on a parlé du nombre de locuteurs. Donc, il faut qu'il y ait la moyenne, une langue, elle peut avoir une certaine chance, une vitalité si elle a plus de locuteurs. Donc, le facteur démographique est très, très important. Mais justement, ce n'est pas l'unique facteur. Parce qu'on a des langues qui sont parlées par plusieurs millions de locuteurs et elles sont en voie de disparition. Et des langues qui sont parlées par quelques dizaines, voire centaines de locuteurs, elles ont une vitalité. Ce n'est pas spécialement le nombre, mais ça compte beaucoup la démographie. En tout cas, le point le plus important, c'est que le destin des langues, il est lié aux communautés linguistiques. Et ça, ce qu'on ne voit pas trop, parce que quand on parle des groupes humains, on ne pense pas. Actuellement, par exemple, quand on parle de la guerre de Syrie, la guerre en Syrie, bon, il y a tout type de. Voilà, c'est une catastrophe, une véritable tragédie humaine, mais aussi d'un point de vue linguistique, ça a beaucoup de conséquences. Tout ce qui touche tous les petits groupes qu'on a, par exemple les Assyriens, les groupes chrétiens qui ont leur propre langue, les Yézidis par exemple, et bien, tout ce qui est arrivé à ces petits groupes en guerre ou bien qui étaient déplacés, déportés, évidemment leurs langues vont disparaître ou bien elles sont en cours de disparition. D'ailleurs, il y a beaucoup de langues qui ont disparu juste pendant cette guerre-là. En Irak, c'est pareil. Ou bien les Kurdes par exemple. Il y a la ville de Afrin qui a été occupée par les milices islamistes et turques depuis une année. Ça, d'un point de vue linguistique, on voit maintenant, actuellement, les conséquences linguistiques de suite, au bout d'une année. Yeah. Donc, comme on a bombardé les Kurdes, on a massacré les Kurdes, et bien, leur langue ne va pas rester sur place, elle va partir avec les personnes. Donc, mais des conflits comme ça arrive chaque jour. L'humanité, on connaît beaucoup et ça touche la situation linguistique. Donc, c'est pour ça qu'on parle de 90% de langues qui vont disparaître. Donc, la première, évidemment, tous les bouleversements socio-économiques et surtout militaires. Donc, on va commencer d'abord par les causes politiques. Donc, d'abord les guerres, surtout les déportations. Donc là, on a parlé du monde berbère, où le berbère est la langue dominante, la langue historique d'Afrique du Nord, sa langue autochtone, qui va d'Égypte jusqu'à l'Atlantique, et de la Méditerranée jusqu'au sud du Sahara, donc jusqu'au Nigeria. Tout ça avant constitue ce qu'on appelle la berbérophonie, même si les frontières dans le sud, elles sont quand même discutables, hein, parce que le Sahara n'était pas que la langue des berbères, mais n'était pas peuplé que par des berbères. Il y a aussi beaucoup d'autres populations africaines, hein, la Hausa, mais les langues négro-africaines. Mais le nord, on sait très bien que c'est la langue autochtone d'Afrique du Nord. Et les guerres n'ont pas cessé en Afrique du Nord depuis très très longtemps, déjà depuis l'époque phénicienne même, et romaine, etc. Et chaque époque, chaque guerre, chaque événement politique qui bouleverse la société, les groupes berbères sur place, ça affecte les populations. On sait très bien qu'actuellement, le berbère est une langue. Bon, pourquoi je parle des langues en danger? Parce que la plupart des groupes berbérophones sont en danger de disparition. On a deux, trois groupes qui sont vivants, où la vitalité, pour l'instant, n'est pas menacée d'une manière sérieuse. Mais tout le reste, tous les groupes berbérophones sont en danger de disparition, selon l'UNESCO, mais aussi ce que moi-même j'ai étudié sur place. Et quand on voit, quand on étudie de plus près les causes, souvent on parle par exemple l'Afrique du Nord sur le berbère disparaît, c'est l'arabisation. Les populations sont arabisées. Mais comment elles sont arabisées? Les Africains du Nord, souvent, il y a beaucoup en Algérie et le Maroc, ils sont fiers d'être berbères, mais ils disent que nous sommes berbères, mais arabisés par l'islam. Et justement, la sociolinguistique, quand on voit la question en tant que linguiste, on verra tout l'inverse. Ça n'a rien à voir avec l'islam, c'est pas la religion elle-même, ni les conversions, mais tout simplement la vie de la société
Alors, si on choisit, moi j'ai étudié plusieurs tribus particulières depuis le Moyen Âge jusqu'à maintenant, comment elles sont arabisées. Ben, c'est très simple. Vous avez un groupe, souvent c'est des tribus qui ont leur système économique justement, leur système politique aussi. Souvent ce sont alors tout le monde berbérophone. Il a une particularité peut-être qui n'est pas unique à l'échelle mondiale, mais quand même qui est très très accentuée en Afrique du Nord, c'est l'absence d'État. Les Berbères, c'est l'une des plus vieilles civilisations humaines. Donc on a des traces, les premières sociétés berbères existent depuis 11 000 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est très très vieux, ça c'est des preuves archéologiques. Donc on a vraiment des preuves matérielles et même linguistiques, parce que ça s'écrivait d'une certaine manière. Le berbère, ça s'écrit avec un système alphabétique d'ailleurs. On n'a pas le système libique, qu'après on appelait Tifina, mais c'est le même système. Donc on a des preuves déjà d'un point de vue graphique sur l'ancienneté du berbère, en plus de ce qu'on peut avoir comme d'un point de vue épigraphique et linguistique. Donc on sait très bien que c'est une très très vieille langue, mais ce sont des groupes humains qui n'ont jamais eu d'État. Vraiment, il y a eu des États, mais très très éphémères. Les sociétés berbères, leur fonctionnement, c'est un fonctionnement qu'on appelle en sociologie les sociétés segmentaires, donc des tribus, un équilibre entre tribus, mais pas que tribus, en fait, on a aussi des cités, mais le principe c'est qu'il n'y a pas d'État. Donc à la fois des sociétés qui peuvent vivre très 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 longtemps, parce que les États, quand vous avez une société qui a un État, puis l'État s'écroule, le peuple va avec. Ce sont des sociétés à la fois fragiles, mais qui peuvent s'étendre très 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 vite. Et les sociétés berbères, comme des sociétés qui n'avaient pas d'État, elles peuvent exister, mais chaque fois qu'elles sont occupées par un État, elles perdent du terrain. Donc depuis le Moyen Âge, avec les États qu'a connu l'Afrique du Nord, mais surtout à la fin du Moyen Âge, les sociétés, elles commencent à reculer face des pouvoirs en place, notamment à l'époque ottomane. Donc avec l'occupation des Ottomans, donc des Turcs, à partir de 1500, ils ont occupé beaucoup de régions en Afrique du Nord, notamment en Algérie, en Libye, et le Maroc n'a pas été occupé par les Ottomans. Donc dans ces régions-là, les Ottomans, ils étaient intéressés avant tout par l'impôt. C'est pas une puissance comme les Romains qui construisaient. C'est pas un État. Ils n'avaient pas une politique d'avoir un État, des villes. Tout simplement, c'est comme un système de pirates. Ils ont Alger, puis ils ont leurs bateaux. Ils vont aller dans les tribus des alentours pour avoir des impôts. Et toutes les tribus, comme elles n'ont pas le système, en fait, elles n'ont pas l'habitude de faire face à l'État, elles n'ont jamais été soumises à l'État. Donc, quand on commence à leur demander des impôts, elles ne sont jamais contentes. Donc, elles font des guerres. Donc, c'est des guerres qui ont duré 3 siècles entre tribus berbères, au fond, et turcs. Comme ça, qu'on a plusieurs tribus qui ont été exterminées déjà entre 1500 jusqu'à 1830, à l'arrivée des Français. Donc, déjà là, moi-même, j'ai étudié une tribu depuis cette époque jusqu'à maintenant. Donc, là, juste pour illustrer comment une langue peut disparaître. Parce que souvent, on pense quand on dit une langue peut disparaître, c'est souvent pour des raisons, par exemple, juridiques, que l'État a décidé que telle langue officielle, c'est telle, et puis les autres langues vont disparaître. Souvent, ce n'est pas le cas du tout, parce que la langue, elle est vraiment sociale, c'est un fait social, c'est une institution sociale, elle est très très liée, elle est beaucoup plus liée à la vie économique, politique de la société qu'aux versions juridiques qui peuvent être dictées un peu d'une manière plus haute. Donc, ces tribus, elles font face à l'État, elles font la guerre aux Ottomans. Les Ottomans, ils vont occuper les plaines et refouler les tribus vers les montagnes. Et les marchés, ils ont lieu dans les plaines. Donc, les tribus ne peuvent plus avoir leur système de commerce. Donc, déjà là, un premier affaiblissement économique. Et quand une tribu ne peut plus vendre ce qu'elle produit, donc elle devient pauvre. Quand elle devient pauvre, donc elle va évidemment, les membres vont soit fuir, soit aller ailleurs. Donc là, et puis l'autre langue qui va s'implanter à sa place. Donc en l'occurrence, en Afrique du Nord, c'est l'arabe. Parce que l'arabe, c'est une langue, les Turcs, ils ne sont pas arabophones, ils ne parlent pas arabe. Et les Ottomans, c'est pas un califat arabophone. Ils sont évidemment, représentent soi-disant les musulmans, mais c'est pas un État arabophone, donc plutôt turcophone. Mais ils sont plus à l'aise avec les arabophones, avec certains arabophones, avec les arabophones du manière générale, qu'avec les berbérophones, parce que les berbérophones n'acceptent pas
l'État, n'accepte pas les Ottomans. Donc, alors souvent, comment on fait? On remplace les populations berbérophones des plaines par des populations arabophones. Ce qu'on appelle le marzen, c'est un système qui existe actuellement au Maroc. C'est des tribus qui sont affiliées à l'État. Donc, ça existe, ce système. C'est des tribus, je ne sais pas comment dire en français, mais un peu comme des milices, mais sous forme de tribus qui font alliance avec l'État en place, donc à qui on donne les terres en contrepartie. Ils aident l'État quand elle est en face des rebelles de tribus qui sont hors de son pouvoir. Donc, de cette manière-là, une grande majorité de l'Algérie a été arabisée. Donc, notamment le centre algérien, c'est par ce système de Marzen, les berbères qui sont dans, on refoule les berbères dans les montagnes, et puis on ramène à leur place des populations arabophones qui vont occuper la plaine. Évidemment, quand on perd la plaine, on perd le marché, donc on perd l'économie. Et à la condition française, donc l'Algérie a été colonisée en 1830, c'est pareil, ce sont les mêmes tribus qui étaient toujours hostiles aux Ottomans, qui avaient résisté encore aux Français, parce que c'est la même logique. C'est pas, à l'époque, il n'y avait pas de nationalisme, hein. Quand on parle de nation algérienne comme quelque chose qui aurait existé avant, c'est le roman national, ça n'a jamais existé dans l'esprit des gens. C'est des tribus qui avaient leur système économique, leur système de relations politiques aussi entre tribus, mais il n'y avait pas cette idée de défendre un territoire national. Ça n'existait pas à l'époque, donc c'est une création plus récente. Donc ces tribus-là, elles avaient juste le même fonctionnement. On ne paye pas d'impôts, on ne va pas accepter un colonisateur qui va arriver. Évidemment, quand une tribu fasse la guerre à la colonisation pendant plusieurs décennies, elle va perdre beaucoup de ses membres, elle va perdre beaucoup de son pouvoir économique, et elle va devenir beaucoup plus fragile. Et de cette manière-là, elle peut être beaucoup plus facilement assimilable d'un point de vue linguistique. Donc je pense que si on étudie ces 90% de langues qui vont disparaître, le phénomène est très très semblable. Ce n'est pas parce qu'on a décidé dans un tel pays que telle langue officielle, c'est telle langue et puis le reste, mais qu'est-ce qui se passe dans la réalité sociale? Qu'est-ce que les locuteurs, autant que communautés, subissent chaque jour d'un point de vue économique et politique? Et dans ce monde berbère, justement, surtout le centre algérien, mais aussi l'écrasante majorité de l'Afrique du Nord, c'est comme ça. Donc, on a des populations qui résistent, mais avec le temps, elles perdent d'un point de vue économique, d'un point de vue de leur territoire. Et l'arabisation, parce que si la langue, un peu par défaut, dès que le berbère meurt, donc la langue qui prend sa place, c'est l'arabe, bon, pour des raisons qui sont beaucoup plus économiques que religieuses. Ce n'est pas parce que l'arabe est une langue sacrée. Il n'y a personne qui parle l'arabe sacré. Et ça, c'est une fiction. L'arabe, c'est une langue, l'arabe coranique, est écrit dans un arabe des années 600, que personne ne parle. Donc, les maghrébins, les arabes frangins, ils parlent d'un arabe dialectal. L'arabe dialectal, ça n'a rien à voir avec l'arabe littéral, l'arabe coranique. Si des phénomènes de dialectalisation, de contact de langue, l'arabe marocain, l'arabe saoudien, il n'y a aucune intercompréhension. Et l'arabe marocain ou maghrébin, ce n'est pas un arabe qui vient de l'arabe coranique. Hein. Ça aussi, c'est le phénomène de contact de langue. Il y a des populations arabophones qui sont installées en Afrique du Nord avec le berbère. Il y a un mélange de langues et puis ça donne une langue, plusieurs dialectes, plusieurs langues dialectales. Donc, ce n'est pas une langue comme on peut imaginer. D'ailleurs, même le latin, hein, on parle souvent les langues romanes, on imagine qu'il y a une langue, il y a le latin qui a donné des langues latin écrit classique qui a donné des langues romanes. En réalité, c'est le latin parlé qui a donné les langues romanes parlées. C'est pas spécialement le langue latin écrit qui s'est dialectalisé qui a donné. Et l'arabe, c'est la même chose. Et le latin, on sait très bien que dès le 1er siècle, même avant Jésus-Christ, on parlait du latin vulgaire. Et c'est ce latin-là qui a donné le romain, parler en romain ou bien les langues romanes en général. Le dialectal, pareil. L'arabe dialectal, ce n'est pas l'arabe coranique qui s'est dialectalisé, qui a donné des langues dialectales de différentes régions d'Afrique du Nord, mais juste des populations arabophones qui sont souvent aussi les conquérants, justement, les concurrents musulmans, eux-mêmes récemment arabisés. Parce qu'on a par exemple des traces d'arabes qu'on a en Afrique du Nord. L'arabe le plus ancien, c'est l'arabe de Syrie. Eux-mêmes, ils veulent juste être conquis, hein, en fait, occupés par les musulmans d'Arabie. Ils vont aller chercher des fortunes en faisant des razzias en Afrique du Nord et s'installent. Et leur arabe se mélange avec le berbère, ça donne l'arabe dialectal. Chaque région a son propre arabe dialectal. Donc l'arabisation, ou bien l'assimilation linguistique,
ça ne vient pas. Souvent, on la représente d'une manière, voilà, vous avez une langue prestigieuse, une langue sacrée, qui va dominer des petites langues parce qu'elles ne sont pas sacrées ou bien qu'elles n'ont pas un prestige. Mais souvent, c'est juste qu'on détruit la niche linguistique de la société. Dès que vous détruisez le système, justement, avec la colonisation ottomane, mais aussi français. D'ailleurs, là, je vais parler de cette tribu, justement, de Aït Salah, au sud d'Alger. C'est l'une des tribus qui ont plus résisté pour défendre la plaine où se situe Alger. Ça s'appelle la Mitija. La tribu a fait la guerre. La France a occupé l'essentiel de l'Algérie, sauf les régions de montagne berbère. Donc, la Kabylie, c'est beaucoup plus tardivement. Mais déjà, dans cette région-là, à côté d'Alger, donc la France l'a occupée avec beaucoup de guerres et la tribu a perdu son pouvoir militaire. Et pendant la guerre d'indépendance en Algérie, donc en 1954-1962, là je vous donne l'exemple comment une langue a disparu, parce que si on lit ça comme on le présente même par certains linguistes, on va dire le berbère disparaît parce que l'arabe est une langue sacrée, les musulmans, les berbères sont des musulmans, donc ils considèrent que l'arabe comme une langue sacrée, donc ils vont s'assimiler et point final. Alors que dès qu'on cherche, on fouille, on va trouver que c'est beaucoup plus complexe. Vous avez une tribu berbère indépendante avec son propre système économique, son propre système politique, avec un fonctionnement qui est segmentaire, mais beaucoup plus complexe que ça, avec un droit coutumier très très raffiné, avec une autonomie de tout point de vue. On occupe la plaine et son reflux dans la montagne. Et pendant la guerre d'indépendance de 1954 à 1962, c'est encore des tribus qui font la guerre. Hein. Donc, l'essentiel des rebelles en Algérie pendant la guerre d'indépendance, c'est dans les montagnes encore. C'est là où c'est facile de faire évidemment les maquis, mais aussi parce que les populations, c'est là où elles se rebellent beaucoup plus facilement. Et donc, toutes ces tribus de montagne berbères font, la majorité étaient déportées dans la plaine. Donc, on fait un décret que telle région est une zone interdite pour séparer les rebelles de logistique sociale, en fait, de tout le soutien social, de toute population qui nourrissent les maquisards. Donc il faut interdire les territoires, déplacer les populations pour qu'elles soient plus sur place pour donner à manger aux maquisards. Et c'est comme ça qu'on a pris toutes les tribus berbères fond de montagne, on les a déportées de force dans la plaine. Et là, quand vous désorganisez une société, parce que transplanter une population, ça touche toute l'organisation sociale, donc ça crée ce qu'on appelle en sociologie une désorganisation sociale. Donc elles sont complètement désorganisées. Et là, vous touchez aux réseaux sociaux, aux réseaux vraiment au sens concret, c'est pas les réseaux sociaux virtuels. Et là, vous avez le point faible des langues. Parce que dès que dès qu'une société est désorganisée dans ses réseaux sociaux, là, elle est vulnérable. Et il y a des études sociolinguistiques, on appelle de la sociolinguistique des réseaux sociaux, qui expliquent comment ont lieu les changements linguistiques. Un changement linguistique peut avoir lieu très très vite, une assimilation linguistique, quand un réseau social est relâché, n'est pas multiplexe, quand il n'est pas soudé. Quand vous avez un réseau social multiplexe, en fait, les réseaux sont très très soudés, il y a d'abord une cohésion linguistique, il y a un changement linguistique très très difficile. On ne peut pas assimiler une société dont les réseaux sociaux sont multiplexes. Mais l'inverse, quand vous avez une société individualisée, où les groupes ne sont pas... Mais ça ne touche pas d'ailleurs que la langue, hein, même d'un point de vue idéologique. Ça, on l'a expliqué par exemple pour le nazisme en Allemagne. Ça joue beaucoup sur ça. La société est devenue individualiste. Les réseaux, en fait, on a cassé le système de famille, les alliances, pas que l'alliance famille, mais surtout les réseaux sociaux. Les gens sont, chacun est un individu à part. Et dès que les personnes, chacun est pour soi, c'est facile d'introduire une nouvelle idéologie et de la généraliser très très vite. Mais si vous avez un groupe social très très soudé, c'est très difficile d'introduire toute idéologie, que ce soit religieuse, que ce soit linguistique aussi justement. On ne peut pas assimiler linguistiquement une société qui se maintient. Et de cette manière-là, et quand vous transplantez une société d'un lieu à un autre, évidemment, les réseaux sociaux vont se relâcher et la société va s'individualiser et l'assimilation linguistique, elle peut se faire très très vite. Actuellement, si la mondialisation
justement s'accélère avec l'assimilation linguistique des populations, c'est lié à ça, parce qu'on a des sociétés individualisées, individualistes, et c'est facile d'introduire tout changement, que ce soit économique, linguistique, tout ce qu'on veut, parce que y a pas de, on peut introduire tout d'en haut, parce que le voilà. Et d'un point de vue linguistique, c'est ce qui s'est passé. Et justement, c'est ça qui accélère les changements linguistiques à l'échelle de toute l'humanité. Et donc là, je vous donne juste un exemple d'une tribu qu'on a transplantée, qu'on a dans la plaine. Les populations, les membres sont dispersés. Et de cette manière-là, ils sont arabisés très très vite, alors qu'ils ont résisté à l'arabisation depuis 14 siècles. Voilà. Donc les personnes qui ont toujours été en contact des arabophones, elles n'ont pas été arabisées. Dès qu'on les a déportées dans un lieu, on a changé leur structure sociale et économique. Évidemment, tout change avec et ça va très très vite. Il y a aussi des raisons politiques, évidemment. Il y a des États qui ont des idéologies unilinguistes. Et la France, je pense, c'est l'un des exemples à l'échelle mondiale. Ben justement, la mort du Breton et du Corse et du Provençal, ça a aussi des raisons purement et politiques, surtout avec la Révolution française. On veut une nation, une langue, voilà, ça aussi c'est... Et ça, c'est une idéologie parmi d'autres. Il y a d'autres États, il y a d'autres... c'est pas le seul système de gestion de la diversité linguistique. Donc ça, c'est un système parmi d'autres. Et tous les États jacobins qui ont cette idéologie justement de l'État central, souvent a des conséquences très très néfastes sur la diversité linguistique, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'une seule république puisse avoir plusieurs langues. Et là, on a des exemples, des contre-exemples. La Suisse en est un, l'Espagne aussi. Quand on compare pourquoi le catalan résiste en Espagne, il disparaît en France, pourquoi le basque, et même l'occitan, vous savez que l'occitan est une langue officielle en pays catalan, en Espagne. Il est reconnu officiellement, alors qu'il y a quelques individus. Alors qu'en France, il y a plusieurs millions. Et ce n'est pas le même statut. Il y a des États qui ont une idéologie. Et justement, ça, c'est une idéologie parmi d'autres. Et tous les États qui ont l'idéologie de l'État-nation, de l'unilinguisme, on ne peut pas fonctionner avec plusieurs. Ça, on sait très bien que c'est une idéologie parce qu'en linguistique, les linguistes, justement, la sociolinguiste, peuvent bien démontrer comment on peut gérer le multilinguisme d'un point de vue comme aménagement linguistique. Ce n'est pas du tout un problème d'avoir plusieurs langues. Tout peut fonctionner, l'administration, l'État. Ça n'a aucun problème d'un point de vue de gestion de la langue. C'est juste une idéologie qu'on ne peut pas imaginer qu'on puisse avoir un seul État, un seul peuple avec plusieurs langues. Ça, c'est une idéologie. Et là où il y a cette idéologie, justement, il n'y a que des politiques linguicides. Et ça, on a beaucoup d'exemples dans le monde. La Turquie, par exemple, d'ailleurs, on sait très bien que Kemal Atatürk, il s'est beaucoup inspiré de la France. Et tous ces États, l'Algérie justement, l'Algérie s'est libérée de la France, mais juste en calquant le système, et d'ailleurs on dit une mauvaise photocopie, ce n'est pas une bonne photocopie. Donc on va reprendre un peu la même idéologie, une langue, un État, une nation, et voilà. Et là, cette idéologie, c'est une... Alors là où on a cette idéologie, il n'y a pas d'inter... il y a la glottophobie. Donc, il n'y a pas la glottophobie. D'ailleurs, il y a un livre qui est sorti, je pense, en 2016 ou 2015, d'un grand sociolinguiste français, Blanchet, qui l'appelle la glottophobie. Donc il explique, c'est un problème, c'est une idéologie, ça existe, la glottophobie. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter la diversité linguistique. C'est comme une maladie, on ne peut pas supporter. Donc, mais tout ça, ça se traduit d'un point de vue étatique sur les questions des États. Il y a des États qui ne peuvent pas imaginer qu'il puisse y avoir plusieurs langues sur le même territoire. Je pense que là, les Corses, une fois, ils ont parlé en Corse et tout le monde était dérangé, alors que dans un autre pays, ça ne pose pas un problème. Pourquoi? D'ailleurs, même à l'État comme l'Algérie, qui est tellement jacobin, maintenant, le berbère, langue officielle, évidemment, c'est juste une hypocrisie, mais ça existe, qu'on peut parler en berbère, ça ne pose pas problème. Mais tout ça, c'est une idéologie, justement, l'unilinguisme, et la plupart, il y a beaucoup de langues dans le monde qui ont disparu par des politiques linguistiques, ou bien des politiques ethnocides. En fait, on parle d'ethnocide quand il y a une politique d'extermination d'une culture. Hein. Ça, c'est Jolin qui a inventé, donc c'est un anthropologue français qui a inventé ce concept. Ethnocide, c'est quand on tue une culture. Voilà. Et ça, ce sont des politiques aussi qui sont complètement planifiées. Hein. Il y a des politiques où on planifie la mort d'une langue. On planifie l'extermination des cultures. Et ça, c'est quelque chose. Il y a aussi, quand on extermine évidemment les populations, les langues vont avec. Hein. Ça, on le sait très bien qu'avec le yiddish, par exemple, avec l'Holocauste. Le yiddish est une langue qui est parlée par plusieurs millions de juifs dans l'Europe de l'Est, en général.
qui a disparu avec évidemment l'extermination de la majorité des juifs d'Europe de l'Est. Hein. Donc évidemment, tout va avec quand on extermine une population. Mais parfois, on peut garder la population sur place. Elle n'est pas exterminée. Mais la langue, et ça, justement, je donne l'exemple de la Turquie. Le kurde, par exemple, en Turquie, ça n'existe pas. Officiellement, ça n'existe pas. Il y a même un article de loi qui dit que la langue maternelle des Turcs, c'est le turc. Pas de langue maternelle. C'est la loi qui a dit que vous êtes turc. Évidemment, si vous parlez en kurde, vous payez une amende. Avant, maintenant, on ne paye plus, mais vous payez une amende. Dans un marché, on vous entend parler kurde, vous payez une amende. Pour chaque mot, vous payez une amende. Ça existe des lois comme ça. Hein. En Algérie, ça existe des lois, date de 98. Si vous êtes dans l'administration, que vous écrivez une lettre autre que dans l'arabe, vous payez une amende. Et c'est des lois glottophobes. Catalan, voilà. Donc tout ça, il y a des États qui fonctionnent comme ça, avec la glottophobie comme système. Évidemment, ça ne peut que réduire la diversité linguistique. Et beaucoup de langues dans le monde souffrent de ça, même si, bon, parfois aussi on peut parler d'États bilingues, mais parfois, souvent, ce n'est pas suffisant, le bilinguisme. Si on ne prend pas en considération les conditions économiques et socio-économiques et politiques de la communauté, du groupe, lui-même, la politique linguistique toute seule ne peut pas faire grand-chose. Là, on a des exemples pour l'Irlande, par exemple. Avant, les Irlandais étaient colonisés par les Anglais. Je pense l'indépendance en 1920, mais en 1920, il y avait 30% de 20% 30% d'Irlandais qui parlaient la langue l'irlandais. Et après l'indépendance, il y a une politique linguistique volontariste de mettre l'irlandais avant en premier lieu. Et la première langue officielle, c'est l'irlandais. L'anglais, c'est aussi langue officielle, mais deuxième langue officielle. Et maintenant, on a juste 3% d'Irlandais qui parlent encore irlandais. Avec tout ce qu'on a fait, comme c'est pas suffisant parce qu'une langue aussi, voilà, quand elle est détruite, c'est pas facile de la reconstruire. Même si on va le voir rapidement, tout ça, c'est possible. Donc, les conditions d'existence des populations, ça concerne les langues. Quand on touche la société, la langue, elle est concernée. C'est aussi le type d'organisation sociale, de structure sociale de la société. C'est ça qui détermine le changement linguistique. Donc, ça, d'une manière générale. Et pourquoi s'inquiéter, justement? Pourquoi la diversité linguistique? C'est très important. Parce que la première des choses, juste que chaque langue, c'est une civilisation, c'est une culture, et quand les langues disparaissent, c'est des cultures qui disparaissent, avec tout ce que ça a comme conséquence sur le plan de la culture, justement mondiale, universelle, parce que chaque langue aussi, c'est un point de vue, mais aussi, surtout, les langues, elles gardent la mémoire humaine, et quand une langue disparaisse, toute la mémoire humaine de la société, au fil des siècles, des millénaires, elle va disparaître avec. Là, je donne un exemple pour le berbère. Vous savez, on a un lexique qui réfère à la présence phénicienne en Afrique du Nord. On a un coffre qu'on appelle Afnir, hein, le phénicien. Un type de coffre, les phéniciens, c'est très très vieux, hein, c'est de l'antiquité la plus, voilà, plus haute. On a encore un lexique qui parle de ça, un lexique qui parle qui montre les liens entre l'Afrique du Nord et la Grèce antique. D'ailleurs, on a beaucoup de lexiques même qui est passé, qu'on trouve le lexique grec qu'on trouve dans le Hausa. Alors, c'est une langue parlée au Nigeria et au Niger. Comment? Parce que bon, les Berbères sont en contact avec les Grecs depuis très très longtemps. Puis les Berbères sont partis jusqu'en Afrique subsaharienne. Ils ont transporté. Et dans les langues, on a toute cette mémoire humaine qui reste. Le lexique, il peut nous montrer, juste dans un mot, on peut comprendre l'histoire d'un groupe humain, mais surtout, il y a le savoir qui va avec. Il y a beaucoup de noms de plantes, il y a les populations qui habitent dans des milieux pendant une période assez longue, ils maîtrisent le milieu, ils développent des savoirs pour nommer la faune et la flore, mais aussi des savoirs, donc ce qu'on appelle les ethnosciences, et tout ça. Et la plupart, vous savez, les langues écrites, c'est une minorité dans l'essentiel des langues au monde. Donc, si on a 5000 et 6000, même pas des pourcents qui sont écrites. Hein. La plupart sont des langues à tradition orale. Donc, les sociétés à tradition orale qui ont une tradition qui a 1000 ans, 2000, 3000, 4000 ans et qui sont à tradition écrite, c'est dans la langue qu'on a tout le savoir. Et si la langue elle disparaît, tout va partir avec tout le savoir. Et la science d'aujourd'hui, elle ne connaît pas encore tout
Il y a beaucoup de régions dans le monde où on ne connaît pas beaucoup de plantes ou bien à quoi ça sert. Tout ça, on le trouve chez les populations qui ont ces traditions orales. Donc, dès que chaque langue qui disparaît, c'est un savoir humain qui disparaît. Et évidemment, c'est l'approvisionnement de la civilisation humaine. Il y a même beaucoup de linguistes qui développent aussi la théorie selon laquelle chaque langue est une vision du monde. Et chaque disparition, en fait, on a moins de vision du monde. En fait, on s'approuve de ce point de vue. Imaginons que tout le monde parle anglais. Ou bien une seule langue, l'esprit humain, voilà. Il n'y a pas cette diversité qui est une richesse de l'intelligence humaine. Et chaque fois qu'actuellement, avec toute la disparition des langues qu'on a, c'est l'approvisionnement de la culture humaine. En fait, tout vient. J'ai lu quelque part dans un livre, disons que. Imaginons qu'on n'a plus d'agriculture bio, la nature, on n'a que de. Alors, les tomates, tout ce qu'on trouve dans les supermarchés, on n'a plus quelque chose qui est né, c'est pour ça qu'on peut faire le lien justement entre la diversité biologique et la diversité culturelle. Il y a un lien, une métaphore, mais qui est très, très. Cette diversité dans les langues, elle est semblable à celle des espèces. Plus on a d'espèces, plus on vit dans un monde riche, plus il y a moins d'espèces, plus il y a moins de. Et tout ça aussi, on peut rajouter juste, pour les linguistes, c'est juste l'appauvrissement, en fait, la disparition de notre objet d'étude. S'il y a moins de langues, on ne peut pas comprendre les langues humaines si on a quelques échantillons. Il faut avoir le maximum d'échantillons pour connaître, et comme les botanistes, s'ils ont juste deux, trois espèces, ils ne peuvent pas comprendre toute la flore. Et pour les humains, c'est pareil. Pour les linguistes, c'est pareil. Plus ou moins de langues, on comprend moins le fonctionnement du cerveau et des cultures humaines. En plus de ça, il y a aussi des problèmes, tout simplement, qui sont psychologiques, qui sont liés à la mort des langues. Ça affecte les personnes. Il y a des études qui ont montré, par exemple, le taux de suicide chez les populations autochtones au Canada, chez les Amérindiens au Canada. Il y a des études qui l'ont montré d'une manière claire que la disparition de la langue chez ces populations, en fait, c'est une population où il y a plus de suicides, trois fois plus que les Canadiens normaux, et ça c'est lié à la disparition de la langue. Bon, il y a beaucoup, en fait, c'est difficile de l'expliquer, mais il y a un lien direct entre la culture et le bien-être des personnes. Déjà, juste si on parle une langue, si on est dans un pays, on ne maîtrise pas la langue, on se sent dans l'insécurité. Et quand vous sentez votre langue est en voie de disparition, il y a tout ça qui va être. Et même parfois, c'est juste familial. Combien de grands-parents qui ne peuvent pas parler avec leurs petits-enfants? C'est des drames à l'échelle. Mais quand même, c'est dramatique. Que les populations ne peuvent pas parler dans leur langue. Et dans les langues, justement, qui sont interdites, qu'à l'école, la plupart des langues dans le monde, les enfants n'ont pas le droit d'avoir une scolarisation de leur langue maternelle. Et ça, on sait très bien que c'est l'échec scolaire, ça amène l'échec scolaire. C'est l'insécurité linguistique, les élèves ne peuvent pas s'exprimer, ne peuvent pas apprendre, ne peuvent pas assimiler de la meilleure des manières quand ce n'est pas dans leur langue maternelle. Et tout ça, donc, c'est dramatique pour l'humanité de deux points de vue. Et je pense qu'on doit faire vite parce que j'ai une petite heure, c'est ça? On peut déborder. Alors, bon, je vais faire plus court. Donc ça touche à la fois le côté social, d'accord. Il y a aussi un côté, tout simplement, qu'on peut dire, c'est la clochardisation des sociétés quand elles perdent leur langue. Ça, je l'ai vu chez beaucoup de groupes berbérophones. Dans certaines villes, où on voit très bien, mais pas que berbérophones, en fait, les populations, quand elles perdent leur langue, il y a quelque chose qui se détruit dans la société. C'est l'effondrement total. Donc ça touche le côté psychologique, mais aussi même social. Donc c'est dramatique de tout point de vue. Et heureusement qu'il y a ce qu'on appelle la revitalisation des langues. En fait, il n'y a pas que la mort des langues, il y a l'inverse. Justement, ça c'est le domaine de la sociolinguistique. La revitalisation des langues, donc ça se fait. C'est comme on peut tuer une langue, on peut faire revivre une langue. C'est pour ça que parler de la mort des langues, c'est une métaphore. Parce que quand un organisme biologique est mort, on ne peut pas le réanimer. Mais les langues, c'est possible. Et la preuve, donc, souvent, on parle de l'hébreu, une langue qui a disparu plusieurs siècles, qu'on a pu ressusciter, revivre, les années 30, 40. Puis maintenant, ça devient une langue maternelle d'environ 7 à 8 millions de personnes dans le monde. Donc, c'est quelque chose. C'est pas. Mais justement, c'est pour ça que la mort des langues est une métaphore. Parce qu'il faut se distinguer entre la mort
En fait, quand une langue cesse d'être utilisée, ça ne veut pas dire qu'elle a disparu. On peut l'apprendre dans des livres, c'est juste qu'elle est morte dans les usages. Voilà. Donc c'est pour ça que même le latin, quand on parle de langue, est une langue morte. Bon, le pape François, il parle en latin. Et il y a d'autres locuteurs qui parlent en latin. On peut l'apprendre, hein, comme l'hébreu, il a disparu plusieurs siècles. Et puis, c'est aussi comment l'hébreu a été revitalisé, c'est une leçon qui montre à quel point on peut vraiment intervenir sur les langues. Et l'hébreu, ça a été l'œuvre d'une personne au début, c'est Eliezer Ben Yehuda. Tout seul, il s'est mis, parce qu'on parle pour des raisons religieuses, pour des raisons idéologiques, hein, ce n'est pas le sionisme, les sionistes qui ont retasé l'hébreu au début, ils n'étaient pas pour. Pour eux, bon, l'anglais, ça sert à quoi de mettre l'hébreu encore sur une langue? Parce que les sionistes, souvent, c'est anti-religieux, on va dire, et les religieux, ils ne veulent pas qu'on parle la langue sacrée, comme une langue de tous les jours, et les non-religieux, ils ne veulent pas revenir à la langue religieuse. Donc il y a Eliezer Ben Yehuda qui est plutôt, lui, il croit dans la... qu'on peut donner encore vie à l'hébreu, et celui qui a appris à son fils de parler, son fils qui a parlé le premier l'hébreu comme langue maternelle. D'ailleurs, même quand il a des invités à la maison, il ne laisse pas ses invités parler avec ses enfants pour qu'ils enfants, il faut qu'ils n'entendent que l'hébreu. Ils ont parlé que hébreu les premières années, jusqu'à ce qu'ils ont maîtrisé l'hébreu, puis bon, avec la création de l'État d'Israël et tout ça s'est développé. Mais ça a été des individus qui peuvent changer le cours de l'histoire. Et ça, ça existe comme science en linguistique, donc l'aménagement linguistique. On sait très bien comment aménager une langue, revitaliser une langue, évidemment, surtout en prenant en considération tous les facteurs sociologiques. Et c'est aussi lié, le domaine de l'orientation linguistique, les politiques linguistiques, c'est lié à la politique aussi. D'ailleurs, quand vous avez une communauté linguistique qui lutte pour sa langue, souvent, il y a des politiques d'aménagement linguistique qui vont avec. Et ça, souvent, dans la sociolinguistique aussi, elle-même et l'aménagement linguistique, ils sont enrichis par toutes les expériences d'aménagement linguistique faites par des militants qui ne sont pas linguistes. Hein. Donc, par exemple, l'une des grandes écoles sociolinguistiques, c'est l'école catalane, qui s'inspire directement de l'association du catalan pendant le régime de Franco. Et après, tout ce qu'a connu le catalan comme langue, ça inspirera les linguistes catalans et la linguistique mondiale d'une manière générale. Donc, les communautés linguistiques, les langues, elles ne disparaissent pas comme ça sans faire de bruit. Il y a beaucoup de communautés linguistiques qui n'arrivent pas à se défendre. Mais justement, la plupart des communautés linguistiques dans le monde, elles se défendent. Et il y a beaucoup de guerres. Hein. Quand on parle de guerre de langue, il y a beaucoup de communautés qui ne se laissent pas disparaître comme ça. Mais ça aussi influence beaucoup les aménageurs, les linguistes. Donc, les linguistes spécialistes, ils peuvent faire des études pour revitaliser une langue. Ils peuvent la réanimer avec un savoir linguistique, en aménageant la langue, en aménageant le lexique, par exemple, la terminologie, la graphie, etc. En la dotant comme une langue normale. Et aussi en créant des institutions, mais surtout un climat juridique favorable, par exemple comme la reconnaissance officielle et l'introduction de la langue dans le système éducatif par des manuels scolaires, etc. Donc c'est possible de revitaliser des langues. Il y a aussi des langues qui n'étaient pas reconnues, puis elles deviennent reconnues, hein, comme le berbère justement, avant les années 60, c'est une langue quasiment interdite. Dans la Constitution, là, c'est écrit jusqu'à maintenant d'ailleurs au Maroc, en Algérie, l'Algérie est une terre arabe. On parle vraiment arabe. La terre elle-même est arabe, selon la Constitution. Donc la seule langue c'est l'arabe, voilà. Donc tout ça c'est bien défini. Et puis c'est interdit de parler normalement berbère, hein, si on suit cette loi-là. Et puis avec le combat des berbérophones qui a duré plusieurs décennies, en 2016, le berbère est reconnu comme deuxième langue officielle en Algérie. Et au Maroc, en 2011, est reconnu comme langue officielle au Maroc aussi. Hein. Donc, le statut des langues a pu changer. Hein. Comme justement en Espagne, ça a été le catalan et toutes les langues d'Espagne, elles étaient des langues interdites durant le régime de Franco. Et puis, elles deviennent des langues officielles dans les régions concernées à partir des fin des années 70. Donc, le statut des langues, il change. On peut revitaliser. Et actuellement, il y a beaucoup de communautés dans le monde, justement, qui arrivent à revitaliser leur langue et à gagner. Il y a des langues qui perdent beaucoup de locuteurs. Il y a certaines aussi qui gagnent des locuteurs. Et toutes les langues du monde ne disparaissent pas de cette manière-là aussi facile. Donc, je vais m'arrêter là pour justement avoir plus de temps avec vous pour mieux échanger.
Fais le message. Je vais faire ça avec la carte. Ok. Je vais contourner. Ok. Ok. Fais le message. Ah, tu commences pas à poser des questions, tu peux arriver. Bonjour. Bonjour. Ah, ça marche pas alors. Bonjour. Bonjour. D'abord, merci pour la belle conférence. J'aurais deux questions, comme ça vous pouvez répondre à une seule question si vous voulez. La première, je ne me suis pas présentée, je suis étudiante et je suis allée en Italie et en Italie en cours de linguistique romane, on m'a appris et on m'a fait apprendre dans les manuels que le berbère était une langue romane parce qu'il y avait beaucoup de lexique roman. Moi, je n'avais pas entendu ça du temps où j'avais étudié à Aix-en-Provence avec Darbia Abruzzo. Mais bon, c'était écrit comme ça. Bon, est-ce que vous avez des remarques à faire? Et la deuxième question, ça m'intéresse beaucoup de savoir comment vous avez pu travailler sur les tribus depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, comment vous avez fait de façon pratique. D'accord. Ah, merci beaucoup pour votre question. Bon, le berbère langue romane, ça c'est la première fois que je l'entends. C'est une erreur. Bon, c'est vrai que le berbère, ça pose beaucoup de problèmes parce que c'est une très très vieille langue dont le lexique est très très proche. Pas lexique, une bonne partie du lexique est commune avec les langues indo-européennes. Ce qui est complètement bizarre. Mais dans la grammaire, elle est beaucoup plus. Donc, c'est une langue afro-asiatique. Donc, qui est liée avec une langue afro-asiatique. Donc, on a quatre familles en Afrique et une en Asie. La seule en Asie, c'est la famille sémitique. Les langues en Afrique, c'est donc le copte, l'ancien égyptien, le berbère, le cochitique, etc. Donc, on a des langues en Afrique, des langues en Asie. Donc, c'est une langue afro-asiatique. Mais ça, d'un point de vue plus grammatical. C'est vrai que quand on voit d'un point de vue grammatical, le berbère est plus proche avec, je sais pas, le somali, les langues parlées dans la Corne d'Afrique ou bien les langues tchadiques. Que les langues romanes, hein, ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que d'un point de vue lexical, ça, il y a beaucoup de. Mais ça, on le comprend très bien. L'Afrique du Nord avec l'Afrique, avec l'Europe, le sud de l'Europe. Vous savez qu'il y a les années moins 2000, moins 20 000, moins 3 000. Il y a une civilisation qu'on appelle la civilisation ibéro-maurisienne. C'est la même civilisation humaine qui s'étend de l'Afrique du Nord avec la péninsule ibérique. Ça, il y a très très longtemps. Donc, d'un point de vue de comme civilisation, même tout ce que les gens créaient, tout ça, c'est la même civilisation. Évidemment, si on trouve beaucoup de liens d'un point de vue linguistique avec cette région, avec l'Europe, du moins en général, ce n'est pas étonnant parce que des populations qui vivaient côte à côte. Mais on ne peut pas dire que c'est une langue romane. Parce que une langue romane, justement, le berbère, s'il était en contact avec des langues d'Europe, sont des langues avant l'arrivée des Indo-Européens. Parce que les langues romanes, elles sont arrivées plus tard. Il y a des langues qui étaient avant les Indo-Européens. L'une des rares langues qui ont encore survécu, c'est le basque. Le basque, ce n'est pas une langue indo-européenne, c'est une langue qui était avant l'arrivée des indo-européens. Et le berbère était justement contemporain de ces langues-là avant l'arrivée des indo-européens. Par exemple, on sait très bien que les indo-européens, il y a des théories mais, qui montrent aussi qu'ils ont emprunté au berbère, donc, par exemple, le nom de l'huile. L'huile, c'est un mot qui vient du berbère parce que les indo-européens, ils viennent du nord, il n'y a pas d'olive. Évidemment, il y a beaucoup d'emprunts déjà, on est côte à côte, hein, donc c'est pas. Il y a beaucoup de contacts à l'époque, surtout avec la péninsule ibérique. Et actuellement, il y a des langues aussi qui sont en Europe, où il y a beaucoup de berbères dedans, par exemple le maltais. Le maltais, on parle, c'est un dialecte arabe, c'est pas si arabe que ça. Mais il y a une bonne proportion du berbère dans le maltais, dans le lexique maltais. Mais le maltais est considéré d'une manière générale comme une langue sémitique, c'est pas une langue. Alors, sur la tribu, justement, la tribu s'appelle la tribu Aït Salah. Je travaillais sur des sources historiques jusqu'au Moyen-Âge, parce que justement, justement à l'époque, jusqu'au 1900, début 1900, justement. Et le reste, je l'ai fait sur place en interrogeant les locuteurs, donc j'ai passé beaucoup de temps avec eux, bon, sur l'histoire, sur les usages, et puis en regroupant les sources historiques avec les sources actuellement, on peut comprendre comment la langue a disparu au fil du temps.
Mais si, comme c'est une petite tribu, c'est facile de faire l'histoire. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci. Merci. Bonsoir et merci. Donc, je me présente aussi Thierry, je suis un écrivain occitan, mais je vais parler en français. Hein. Et donc j'avais une question moi sur en fait qu'est-ce qu'une langue ? Saussure disait une langue, c'est bien connu, c'est un patois qui a une armée. Et donc vous avez évoqué à un moment donné en fait l'occitan, le provençal, il y a justement une querelle sur cette dichotomie où est la langue. Comment vous, vous la définissez ? C'est pas obligé. C'est vrai que... Non, parce que vous voulez savoir comment on peut distinguer dialecte et langue. Voilà. Le koiné aussi, par exemple. Koiné ? Voilà. Alors, koiné, c'est juste... il y a un standard. Non, mais déjà, qu'est-ce que c'est alors. Oui, bon, c'est un système... Alors, moi, je vais juste donner la définition d'André Martinet. C'était un système de communication doublement articulé, en phonème et monème. Bon. Une langue, c'est un système de communication humain. Parce qu'il n'y a que les humains qui ont ce système de communication. On a des sons qui n'ont pas de signification. Ici, on a le son avec le son. Le son qui n'a pas de signification avec le son qui n'a pas de signification peut avoir un mot qui a une signification. Et puis, ça forme un système de communication entre humains. Mais je pense que votre question, plutôt comment distinguer justement le patois, dialecte, langue et tout ça. Ça, souvent, c'est, on peut dire que la définition la plus simple, c'est l'intercompréhension. Quand les gens se comprennent entre eux, on peut parler d'une langue. Mais ça, souvent, ce n'est pas du tout, ce n'est pas suffisant parce qu'il y a beaucoup de langues où il n'y a pas parce que l'intercompréhension, c'est souvent le résultat du contact. On peut avoir plusieurs dialectes très, très différents. Mais si les populations entre elles sont en contact, ils peuvent se comprendre parce que chacun sait comment l'autre prononce. Il va comprendre, il va deviner. Et s'il n'est pas en contact, un petit changement de son ne va pas le comprendre. Donc, c'est aussi une question, c'est presque impossible de définir. Bon, pour l'instant, les linguistes ont du mal à définir chacun dans sa définition, mais souvent sont pour des raisons politiques. Hein. Je pense que les langues, c'est ce que les locuteurs veulent faire. Ben, si les Occitans veulent dire que nous, on forme une, on a une, c'est une langue, les Provençaux vont dire non, c'est une autre langue, on ne peut pas le forcer les uns avec les autres. On a beaucoup d'exemples dans le monde, par exemple le hindi avec l'ourdou, il y a l'intercompréhension, mais comme les uns font la guerre aux autres, on a décidé qu'on ne parle pas la même langue. Il y a juste récemment le serbo-croate, c'était la même langue, et puis après la guerre, c'est plus la même langue. Alors que c'est la même. On prend des exemples, l'arabe justement, on parle de la langue arabe, alors que ce qu'on parle au Maroc avec ce qu'on parle en Arabie, c'est la même langue, et les gens ne se comprennent pas du tout. Comment ça se fait que c'est une même langue? Le provençal, justement, le provençal avec le valencien, ils se comprennent totalement, mais en catalan, on va dire non, on parle le catalan, et à côté, à Valence, on va dire on parle valencien, mais c'est la même langue, et les gens se comprennent. Souvent, ce sont des raisons, pour des raisons politiques, et ça dépend justement des locuteurs. Si le locuteur décide... Inversement, les Corses. Oui. Ils comprennent pas entre eux. Oui. Voilà. Et les Corses, récemment, ah ben, c'est juste, il n'y a pas très longtemps, qu'on commence à considérer le Corse comme étant une langue à part. Parce qu'avant, on dit que c'est un dialecte de l'italien. Et bon, les fascistes, ils ont tout fait pour montrer que c'est un dialecte de l'italien parce que ça arrange... ça arrange le fascisme pour montrer c'est une grande aussi avoir un pied en France, justement en Corse, mais aussi pour les Français aussi, par l'État français, ne veut pas reconnaître le Corse comme une langue pour éviter qu'elle soit reconnue. Bon, c'est un dialecte de l'italien, qu'est-ce qu'il va faire en France? Mais les Corses, ils disent que non, c'est une langue, c'est une autre langue, et même s'ils ne se comprennent pas en trop parfaitement. Oui, donc les langues, ce que font, ce que veulent faire les locuteurs. Il va falloir que tu avances. Bonsoir, j'aimerais savoir combien il y a d'alphabets, la transcription des langues. Par exemple, je ne sais pas, parce que vous avez parlé de plusieurs langues, bon, ben, les langues latines, etc. Il y a combien d'alphabets de transcription de la langue? C'est un peu comme le nombre des langues parce que le problème, est-ce que de graphie, parce que les graphies latines, combien c'est un don de graphie? Est-ce qu'on peut considérer comme la graphie française avec la graphie tchèque ou bien turque, la même graphie ou pas? À base latine, oui. Mais il y a des caractères qui sont différents. On va mettre un chapeau, là, un zéro, là.
C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de graphiens, je ne sais pas le nombre exact, mais ça doit être, je ne sais pas, une cinquantaine peut-être, hein, juste comme ça, mais il n'y a pas beaucoup justement, parce que la plupart des langues, elles ne sont pas écrites, elles ne sont pas à tradition écrite. Il y a très très peu de langues qui sont, c'est une infime minorité qui sont à tradition écrite. C'est les grandes langues qui sont langues à tradition étatique, etc., qui sont écrites, et la plupart, elles ne sont pas écrites, pas la plupart, mais l'écrasante majorité. Donc on a beaucoup plus de langues que de graphies. Et les graphies aussi, elles disparaissent aussi. Oui, bonsoir. Juste, je voulais faire une remarque parce que c'était pour moi une question quand je rencontrais des Algériens que je ne comprenais pas. Je leur demandais de parler doucement. Et il est arrivé qu'il y a certains mots qu'ils utilisent. Et que, par exemple, pour dire « j'ai sommeil », eux, c'est le sens de dormir. C'est le mot « dormir ». Or, en Syrie, c'est « j'ai sommeil », on dit le même mot. Alors, le mot que vous êtes obligé de dire, comment vous dites ?« Narsen ». Narsen. Ça veut dire « j'ai sommeil ». Ouais. « Nayem », ça veut dire « je dors ». Oui. Or, les Algériens disent « naset », ça veut dire « j'ai dormi ». Après, alors, quel Algérien, justement juste quel Algérien seconde, oui, j'ai pas fini. Non, mais ma question, c'était, est-ce que la langue au Moyen-Orient s'est modernisée et qu'en Algérie, à cause de peut-être aussi de la colonisation, et c'est pas modernisé, ils parlent toujours la langue qui était parlée avant la colonisation. Il y a un autre exemple, par exemple, Ahki, en arabe de Moyen-Orient, ça veut dire « je parle ». Et en algérien, il dit « ahdar ». Mais « ahdar », c'est un mot qu'on retrouve très, très ancien pour dire « parler » aussi. Alors, je me suis demandé, c'était mon hypothèse, je ne suis pas du tout linguiste, je me suis demandé si c'était parce que ce n'est pas modernisé. Juste une deuxième question. Ouais. Par rapport à la Syrie, par exemple, le syriaque que mon père comprenait, en fait, elle est conservée parce que c'est la langue de la messe. Et autrement, on ne la parle pas. Mais dans la messe, et même quand on a modernisé la messe, qu'on peut le parler en arabe encore, maintenant, eh ben, il y a certains, par exemple, pour sacrifier le pain et le vin, on va parler en syriaque. Il y a des phrases exprès. Et puis, il y a des chants pour quand quelqu'un décède. Il y a des chants dans l'église qui sont encore en syriaque. Et qu'on dit, nous, on les chante, mais on ne comprend rien. Oui. Alors, je commence juste par là. Le délactal, justement, c'est juste une question de le substrat. Alors, ce qu'on parle, l'arabe syrien, il y a un substrat syriaque. D'un point de vue phonologique, phonétique, il y a une influence. Comment les terminaisons des mots, par exemple, comment on les allonge, etc. Il y a même... là, je n'ai pas les exemples en tête, mais j'ai lu beaucoup de choses sur ça. L'arabe syrien... ce n'est pas l'arabe d'Arabie qui devient un dialecte en Syrie. Il y a l'influence, au Liban, c'est pareil. Il y a l'influence du substrat local qui s'est mélangé avec l'arabe et puis qui a donné le syrien, ben, l'arabe qu'on parle au Liban et en Syrie. En Afrique du Nord, c'est avec le berbère. D'un point de vue syntaxique, si on prend des phrases comme ça, l'arabe, même si le lexique est le même, quelqu'un de l'arabe du Moyen-Orient, il ne pourra pas comprendre parce que la syntaxe du berbère, les mots arabes. Et même dans l'arabe, justement, Nahsan, parce qu'en Algérie, quel arabe au fond de l'Algérie? À l'est d'Algérie, je pense qu'il va dire Nayem, et à l'ouest, il va dire Nahsan. Nahst. Et tout ça, au Maroc, c'est pareil. En fait, ça dépend de quelle région. C'est pas un degré de développement, mais ce sont des. En fait, c'est les alors, influences. Pour le syrien, je ne pourrais pas confirmer votre hypothèse d'influence. Eh bien, la Jordanie, l'Irak, la Syrie, le Liban, on se comprend très bien. Il y a quelques mots juste qui sont plus utilisés dans un endroit ou dans l'autre. La langue de l'Arabie Saoudite, on la comprend. Mais peut-être parce que aussi, on est resté collé très proche de la langue littéraire et qui est enseignée depuis très longtemps
dans les écoles. Enfin, oui, l'école, c'est influence. Et qui est pratiquée par les profs, par, il la parle dans les cours, et on parle d'arabe littéraire. Moi-même, j'ai appris l'arabe à l'école. Je suis berbérophone, l'arabe, je l'ai découvert à l'école. Et puis, c'est en France d'ailleurs que j'ai appris l'arabe dialectal, c'est pas en Algérie. Je comprends très difficilement l'arabe syrien. Et pourtant, je peux maîtriser l'arabe littéral. J'ai fait que ça à l'école jusqu'au bac. Et je ne comprends pas l'arabe syrien. Et qu'est-ce qui diffère justement? Pourquoi, d'un point de vue politique, je vois très bien la distinction entre l'arabe saoudien et l'arabe syrien. D'où vient la différence? Oui, la compréhension, c'est juste une question d'habitude. Parce que vous les entendez. L'Égypte aussi. Oui. La Tunisie, je comprends mieux que l'Algérie. Oui, évidemment, plus vous êtes vers l'ouest, plus il y a le substrat berbère en courbe. Mais aussi les dialectes arabes, il y a plusieurs types de dialectes arabes qu'on appelle les dialectes bédouins, en fait, l'arabe bédouin, l'arabe hilalien, l'arabe pré-hilalien. Par exemple, là-haut, le qa devient a. Je pense que c'est le cas chez vous, non? Vous êtes olik. Vous êtes olik. Pas chez tout le monde, voilà. Ça, c'est un type d'arabe qu'on peut trouver aussi en Afrique du Nord, chez certains. L'autre vont dire qallik, l'autre vont dire gellik. Alors, les bédouins qui ont beaucoup voyagé aussi. Voilà. Parce que là, c'est des bidouins, en fait, c'est des nomades. Mais les nomades, ils ont beaucoup voyagé. Ils sont arrivés jusqu'en Afrique du Nord. Et sûrement, c'est eux qui ont amené le terme Hadra, qu'on trouve aussi dans l'arabe bidouin. Mais en fait, il y a beaucoup de substrats, il y a beaucoup de contacts. Les langues, justement, elles se mélangent entre elles. Et ça donne des nouvelles formes. Et je sais qu'un Saoudien, ça par expérience, un Marocain, un Saoudien m'a dit que quand un Marocain parle en arabe. Quand un Marocain parle, je ne sais pas s'il parle en arabe ou pas. Déjà, le comprendre, c'est une autre histoire. Déjà, il ne peut même pas savoir s'il parle en berbère ou bien il parle en arabe. Pour eux, la prononciation, c'est la même. C'est sûr que la prononciation algérienne est hyper différente. Oui. Et tout ça, il y a les substrats qui influencent aussi. Hein. Oui, bonjour. J'avais une question, mais c'est peut-être un peu hors sujet. Peut-être vous pouvez me répondre. C'était quand vous avez fait une blague sur réseaux sociaux et voilà, les réseaux sociaux actuels. Et du coup, je me suis demandé, on voit des sortes de langues évoluer qui sont propres à certains réseaux sociaux ou avec des choses avec des images ou des mèmes ou des choses comme ça qui se développent et qui ont un nouveau langage. Et je me demandais, est-ce que c'est considéré comme des débuts de langue ou comme des évolutions ou des choses comme ça? Je ne sais pas si vous voyez de... Oui, je vois. Alors, ça, on peut dire ça, langage, ouais. Mais ce n'est pas une langue naturelle. Justement, la définition, la double articulation, en fait, la langue, il faut qu'il y ait des sons qui n'ont pas de sens eux-mêmes. Il faut les regrouper un son avec un son pour avoir un mot qui a un sens. Donc, ça ne fonctionne pas comme ça. Les abeilles, elles ont un langage. Mais ce n'est pas une langue comme les langues naturelles. C'est un langage. Pas avoir langue des signes, c'est des langues complètement. Langue des signes. Mais on peut avoir juste des symboles qui ont un sens. C'est un langage. Mais ce n'est pas une langue. Il y a aussi le langage par la vidéo aussi. Hein. L'image, oui. Mais c'est pas, en fait, on ne va pas avoir un son qui n'a pas de signification lui-même. Et si on le met avec un autre son, ça donne un sens. Parce que c'est ça qui permet d'avoir un nombre infini de mots. Pourquoi on a un nombre infini de mots? Parce qu'on a, des combinaisons infinies. J'ai A n'a pas de sens, Ba ça n'a pas de sens, mais A et B, les deux, ont un sens. Et j'ai A, B et A, C. A, C un sens, C, A un autre sens, ça ne va pas se terminer. Donc c'est un nombre infini, c'est pour ça qu'on peut avoir une langue très très développée d'un point de vue déjà de quantité de mots qu'on peut produire. Mais ce type de langage, il est beaucoup plus limité. Et donc on peut l'appeler juste un langage. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là du chinois, donc qui fonctionne avec des sigles qui ne sont pas des monèmes et des phonèmes? Alors là, le chinois, vous parlez plutôt de la graphie. Eh oui, de la graphie. Voilà. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai une question justement sur les... Oui, alors il y a des idéogrammes. Il y a des systèmes syllabiques, il y a des systèmes... Alors, chez nous, ils n'ont pas un alphabet. En fait, eux, ils représentent les objets d'une manière beaucoup plus simplifiée. Et après, parfois, on a des systèmes un peu plus combinés entre l'alphabet et les idiogrammes.
les premiers systèmes d'écriture au monde sont plutôt des représentations, on simplifie. Et puis, vraiment, l'alphabet, c'est le degré le plus développé de l'écriture. Parce que là, c'est les Phéniciens, bon, pas que les Phéniciens, qui ont développé ce système justement d'avoir un graphème. En fait, pour chaque son, bah, au moins chaque son, qui va être une graphie. Et on ne va pas prendre les mots eux-mêmes, en fait, les objets eux-mêmes, qu'on va représenter par un signe distinct pour chaque mot. Mais juste, on va représenter plutôt les sons, mais pas les objets eux-mêmes d'une manière complète. Parce que le chinois, ce n'est pas un alphabet, justement. Pour maison, on va avoir un dessin qui ressemble à une maison. Mais c'est une langue. Non, mais ça, c'est. Alors, l'écriture et l'oral, ça n'a rien à voir. Et justement, la plupart des langues de le monde, elles n'ont pas des systèmes d'écriture. Elles ne sont pas moins complexes que les langues, parlées, hein, que les langues écrites. D'ailleurs, on imagine que les langues écrites, elles sont beaucoup plus raffinées. Les langues parlées, elles sont moins complexes. Souvent, c'est l'inverse. Parce que les langues écrites sont des langues qui ont pris plus de l'extension. Et souvent, ça on sait très bien que les langues, elles se simplifient. Plus elles prennent de l'espace, plus elles s'agrandissent. Elle devient beaucoup plus simple parce qu'on a besoin de simplifier pour pouvoir se comprendre. C'est très bien que l'anglais au début et l'anglais d'aujourd'hui, ça se simplifie. L'arabe, c'est pareil quand on prend l'arabe littéral. C'est beaucoup plus simple la grammaire. Et le dialectal, il y a beaucoup d'exceptions, il y a beaucoup de difficultés. En fait, plus une langue, elle s'étend, plus elle devient plus simple. Et les langues qui sont écrites, justement, elles sont souvent aménagées. Donc, elles deviennent plus simples, plus standardisées. Les langues qui ne sont pas écrites, à tradition orale, souvent sont des langues d'une petite communauté, soudées entre elles, la langue elle devient beaucoup plus complexe, de tout point de vue. Il y a plus d'irrégularité, par exemple, parce qu'il n'y a pas une homogénéisation, il n'y a pas un travail de standardisation. Les langues, elles sont presque à l'état sauvage. Alors que là, on va les couper, il faut qu'elles deviennent toutes... voilà. La métaphore. Oui. Moi j'ai une question. Dans les langues qui vont disparaître, est-ce que par exemple vous incluez les langues des signes, les personnes qui communiquent par les mains, les personnes qui communiquent par le braille, les personnes qui communiquent par le toucher, est-ce que tous ces différents moyens de communication autres que la parole sont inclus dans les langues qui vont possiblement disparaître? Oui, bien sûr. On parle de langues des signes, parce que c'est vrai qu'avant, il y a beaucoup de gens qui hésitaient de parler de langues des signes. On ne les considère pas comme étant des langues des signes, c'est des langues à part entière. Mais ce ne sont pas les langues qui disparaissent le plus, justement. Bon, déjà, il n'y a pas beaucoup. Les langues des signes, il n'y a pas beaucoup. Hein. Bon, il n'y a pas beaucoup. Mais ce n'est pas le même nombre que les langues en France. Je pense qu'il y a une seule langue de signes en France. Alors qu'il n'y a pas une seule langue parlée en France. Il y a plusieurs. Mais le nombre, ce n'est pas le même que les langues parlées qu'on peut entendre dans la rue à Marseille, justement à Marseille. Combien de langues on peut voir à Marseille? On ne parle pas pareil la langue des signes. Oui. Dans le nord que dans le sud. Ah. Oui, je sais qu'on signe différemment, mais est-ce qu'il n'y a pas d'intercompréhension totale? Est-ce qu'on peut le considérer comme des langues de signes différentes? À ma connaissance, on parle des langues de signes françaises, donc je ne sais pas si... Oui. Allez. Il y a des variations dans la langue des signes. Par exemple, à Marseille, on ne compte pas pareil qu'à Paris. Il faut le savoir. Bon, c'est vrai que les Français se comprennent en général dans la langue des signes française. Mais par exemple, les anciens, les vieux sourds, par exemple, n'ont pas la même langue que les jeunes sourds. La langue aussi, elle a un petit peu évolué. Puis la langue des signes, il y a plusieurs langues des signes dans tous les pays, mais il y a des traducteurs de langues des signes, justement, pour traduire, pour qu'un, par exemple, un anglais puisse communiquer avec un français. Alors, c'est sûr que l'anglais, il va plus ou moins comprendre le français en langue des signes, mais quelquefois, ils se comprennent des fois, il y a des nuances qu'ils ne comprennent pas. Mais par contre, c'est vrai que, comme vous l'avez dit, la langue des signes est très riche, elle a une syntaxe, elle a une grammaire, et elle est très, très, très complexe. Beaucoup plus complexe que la langue parlée. Merci. Juste un petit rajout, en fait. Cette langue, ça reste quand même quelque chose qui est lié à la culture de chaque, en fait, individu. Je te donne un exemple. Par exemple, pour parler d'une femme,
en France, comment vous dites, le signe de ça. Dites ça chez nous, c'est comme ça. Ouais. C'est lié à ce tatouage, en fait. C'est lié à ce. Oui, ouais. C'est vraiment lié, c'est comme toutes les langues. C'est lié à des ouais. cultures, à des. À plus que ça. Hein. Donc. Alors, moi, j'ai une autre question pour revenir, en fait, à notre sujet de ta conférence, l'amour des langues. Je pense qu'il y a un élément que tu n'as pas abordé, c'est les nouvelles technologies. En fait, la chance, quand ces petites langues, enfin, les nôtres, les petites, ces langues régionales, c'est le berbère et le reste, de survie face à ces langues imposées, on les impose, hein. Vous avez un enfant, vous êtes obligé de lui acheter une tablette, vous n'avez pas d'occitan, vous n'avez pas de berbère, vous n'avez pas toutes ces langues dans ces trucs. Or, on ne peut pas aller contre, en fait, son enfant pour lui imposer quoi que ce soit. Donc, en fait, voilà ma question, les chances, en fait, de survie de nos langues dans ces nouvelles technologies. Oui, évidemment, c'est comme, en fait, c'est des armes moins chères. On peut l'utiliser, mais souvent, c'est à double tranchant parce que, est-ce que c'est pas ça aussi qui va homogénéiser avec les jeux vidéo, sur les mêmes jeux vidéo qu'on va avoir à l'échelle mondiale, alors que si on revient aux jeux traditionnels, chaque tribu a son propre jeu avec son propre vocabulaire. Et maintenant, on va avoir des jeux qui sont pareils. On va fonctionner un peu de la même manière. En fait, ça homogénéise. Évidemment qu'on peut avoir son jeu, sa version catalane. Mais est-ce qu'on peut avoir systématiquement 6 000, 7 000 versions? Parce qu'on a 7 000 langues. C'est très difficile. Il y a des langues qui ont un état qui va avoir, avec USO et tout ça, avec toutes les institutions universelles, internationales de standardisation, on va avoir leur standard, vont demander est-ce qu'il y a une version pour Microsoft, mais aussi pour les systèmes d'écriture. Mais il y a beaucoup de langues qui n'ont pas d'état, qui vont réclamer leurs droits justement pour avoir des versions dans ces langues. Et surtout, ce n'est pas rentable. Google Traduction, il va pas créer un logiciel de traduction pour une langue parlée par 5000 personnes. Évidemment, les langues parlées par les Catalans, il y a une généralité, il y a un État, bon, ils ont leur propre traducteur. Mais il y a combien, je pense qu'il n'y a même pas une quarantaine, une cinquantaine de langues qui sont traduites par Google Traduction. Facebook, je ne sais pas, on l'utilise dans combien de langues? Il va y avoir une quarantaine, une cinquantaine, une soixantaine, alors qu'il y a 7000 langues. C'est vrai que ça peut aider, mais pas. Ça crée une. C'est comme la télévision. La télévision, évidemment, qu'on peut créer des programmes et on crée les programmes pour les grandes langues qui ont plus de moyens. Et souvent, c'est l'inverse, justement. Oui. Je voulais faire une petite remarque sur réseaux sociaux. Je ne sais pas si le jeune homme il est parti. Oui. Voilà. Il est encore là. Dans ma famille, il y a 3 générations, on parlait provençal. Et aujourd'hui, on ne le parle plus. Et le réseau social qui parlait provençal, il a été cassé. Et dans le village de ma famille, et entre les membres de la famille, entre nous, pour des raisons qu'on peut expliquer à un autre moment, c'est un peu long. Ben oui, la politique linguistique unilingue de la France, voilà. Donc ce réseau social-là, il est cassé. Mais par contre, moi, aujourd'hui, je peux parler en provençal sur les réseaux sociaux. Donc avec mes parents, je ne peux pas. Pourtant, mes parents, ils comprennent, hein, parce que leurs parents, eux, ils le parlaient. Mais ils le comprennent, mais ils ne peuvent pas le parler. Ils ont un blocage. Par contre, avec les gens ou de ma génération, ou des plus jeunes, ou des plus âgés, mais qui ont appris le provençal, ou la Languedoc, ou l'occitan, qui se sont formés, qui l'ont appris à l'école, dans les associations, à l'université, etc. Bon, on peut communiquer entre nous, mais on est loin les uns les autres. Et du coup, les réseaux sociaux, en fait, au sens messagère, Facebook, tout ça, c'est le... Les émissions de télévision, les émissions de radio, c'est le nouveau réseau social dans lequel je peux m'exprimer. Voilà, c'était une remarque, c'est un peu à double sens, comme vous disiez. Il y a aussi la possibilité, grâce aux outils actuels, de reconstruire un réseau.
C'est pas le même, c'est pas un réseau de proximité. Voilà. Oui, je pense que bon, là, vous donnez raison à Khaled. Oui, c'est vrai que c'est plus facile d'avoir un compte Facebook que de créer une télévision, chaîne télévision en occitan. Donc, c'est vrai que ça aide des petites langues qui sont. D'ailleurs, au début, quand on a créé l'Internet, on a cru que c'est l'anglais qui va dominer. C'est vrai qu'il domine jusqu'aux années 95. Mais après, on voyait que l'anglais, il a de plus en plus une petite part. Et puis, beaucoup de langues, elles partagent l'Internet. Hein. Il y a des petites langues qui sont beaucoup présentes sur Internet, comme le catalan. Je ne sais pas, sur Wikipédia, il y a combien d'articles. Hein, c'est parmi les premières langues, on traduit. Alors que le catalan, c'est une langue parlée par 5-6 millions de locuteurs, avec beaucoup de. Oui, voilà, volontarisme. C'est ça, justement. C'est le volontarisme. Justement, ça montre que le volontarisme, ça peut changer. C'est pour ça que l'organisation, elle est possible. Voilà. D'abord, il faut désactiver le correcteur orthographique. En Italie, ils font comme ça, les jeunes qui veulent parler dans leur dialecte entre eux. Oui. Les jeunes de 20 ans, hein, ils parlent dans leur dialecte, mais d'abord, ils désactivent le correcteur orthographique. Oui. Oui. Oui, volontarisme, justement, ça montre que la langue. C'est toute la distinction, toute l'opposition entre des linguistes traditionnels qui vont dire qu'on est là juste pour étudier, décrire la langue d'une manière précise et point final, avec des sociolinguistes qui disent que ben, comment on peut faire une planification économique, une planification du chemin de faire, on peut aussi planifier les langues. Et que ça, les sociolinguistes, ils sont dans, on croit que dans le volontarisme peut tout changer. Que dans votre cas, peut-être que voilà, il y a beaucoup de néo, je ne sais pas si vous êtes néolocuteurs, ou bien vous l'avez déjà. Je l'ai de famille et après d'accord. Je l'ai reapprise. D'accord, et après. Double punition. Ok, bonsoir. Bonsoir. Enfin, comme on le dit chez nous, Azoul. Azoul. Voilà, donc revenons un peu en Algérie, puis à la langue berbère, puisque c'est votre domaine. Ah bon, même avec le micro, ça ne marche pas ? Alors, ma question à moi, on va s'intéresser à cette langue berbère qui regroupe pas mal un ensemble de dialectes, hein, le kabyle, le chelhi, le telgi, etc. Et j'aimerais bien savoir, est-ce que vous considérez que cette langue aujourd'hui, elle est menacée ? Est-ce que c'est une menace imminente ou pas ? Et en parlant de faire revivre ces langues-là, qu'est-ce que vous conseillez pour faire revivre d'ailleurs la langue berbère qui est un tout petit peu menacée en Algérie ? On va s'étaler un peu, parce que l'Algérie, avec tous les problèmes qu'il y a, c'est quand même assez compliqué et complexe. Qu'est-ce que vous exigez comme moyen pour faire revivre, qu'est-ce que vous demandez comme moyen pour faire revivre cette langue dans le cas où elle est menacée d'une manière imminente ? Et merci. Ah, merci, Fenmef. Bon, est-ce que le berbère est langue menacée ? Justement, c'est ça. Il y a plusieurs formes du berbère, parce que là, si on est dans cette polémique, on ne va pas sortir des variantes, des parlées, des dialectes, des langues. On peut tout dire qu'il y a plusieurs langues berbères, il y a plusieurs dialectes berbères, il y a plusieurs variantes des parlées berbères. Et multitude, c'est vrai que là, on a plusieurs. En fait, on sait très bien, il y a des blocs régionaux, ça forme des blocs. La Kabylie, c'est comme des. Voilà. La Kabylie, le Rif, l'Atlas, le Chleur, etc. Donc, c'est des blocs régionaux. On parle des formes plus ou moins proches à l'intérieur du même bloc et à l'extérieur en fonction des régions. Alors, il y a beaucoup de blocs qui sont moribonds, ça, on le sait très bien. Et, moi, je connais quelques groupes où la langue est parlée par une dizaine de personnes. Évidemment, si on prend des groupes comme le Kabyle, le Rifin, le Chleur, c'est par plusieurs millions de personnes pour chaque groupe. Donc, on n'a pas les mêmes tailles. Et évidemment, donc, le danger, ce n'est pas le même. Mais ça ne veut pas dire que les grands groupes sont plus solides que les petits groupes. Hein. Je peux citer un groupe comme le Mozabite. Hein. C'est dans le Mzab, c'est une, bon, une pas oasis, mais c'est une région au centre algérien. Donc, c'est un groupe Mozabite. Les réseaux sociaux, justement, sont très, très denses parce qu'il y a beaucoup de raisons religieuses, sociales, etc. Ça fait qu'un petit groupe de 200 000 personnes où la transmission de la langue, elle se maintient d'une manière beaucoup plus importante que chez des groupes parlés où la langue est parlée par plusieurs millions de personnes, y compris quand ils sont à Marseille, qu'ils sont aux États-Unis. Il y a une transmission intergénérationnelle systématique pour des raisons voilà, multiples, hein, y compris la religion, parce que bon, ils sont ibadites, ils ne sont pas sunnites, donc il y a une distinction avec les autres. Il faut qu'ils soient soudés entre eux parce qu'ils se sont menacés depuis tout le temps. Donc il y a vraiment une forme de résistance
extraordinaire, même si c'est un petit groupe par rapport au groupe qu'on met là, ou bien Chaoui en Algérie, on a plusieurs, un groupe beaucoup plus important. Donc la menace, il y a beaucoup de groupes qui sont menacés. Alors, on va dire que les groupes où le berbère se maintient d'une manière assez importante, c'est le Kabyle, le Réfin, le Chleu. Et avec le berbère de Libye, hein, c'est Enfoussa, là aussi pareil, il y a des raisons religieuses, mais aussi politiques. Récemment, pendant Kadhafi, quand il disait que les berbères, ça n'existe plus, on parle en berbère, évidemment. Il va chez les berbères, il dit les berbères, mais ça n'existe plus. Et donc, une politique d'arabisation très, très agressive, les années jusqu'à sa mort. Et depuis, parce qu'ils ont beaucoup ils ont participé à la chute du système, ils ont leurs propres armes, ils ont créé leur propre autodéfense. Et là, la langue, elle revient d'une manière très, très importante. Donc là, on a un groupe, même s'il n'est pas très important d'un point de vue démographique, je ne sais pas, 200 000, 300 000 personnes, mais ils sont tellement soudés entre eux, bien organisés, la langue, elle se maintient. Et le groupe Touareg aussi, les Touareg, ça dépend des régions. Vous savez que le Touareg, si on lisait dans des livres, on parle des Touareg du Mali, souvent, parce qu'il y a 1% de Tamachak, parce qu'on est Tamachak. Hein, c'est 1% de Touareg, alors qu'en 2012, vous avez vu qu'ils ont pris tout le nord du Mali. En fait, il y a aussi des groupes qu'on ne sait pas leur nombre exact, leur force exacte. C'est des groupes qui ne sont pas dans l'État, donc on ne peut pas les savoir combien il y en a, aussi leur résistance. Donc il y a des groupes berbères en voie disparition, ça dans le centre algérien, comme le groupe que j'ai étudié, mais il y a plusieurs dans. Et alors, vous parlez de l'Algérie, je pense que c'est la région où, où le berbère peut survivre plus longtemps qu'ailleurs. Parce que c'est là où il y a le moins de bouleversements récemment, actuellement, très très rapide. Comme en Kabylie, comme il y a une certaine démographie, il y a un point démographique qui n'a pas bougé. Alors que dans les autres régions berbérophones ailleurs, comme au Maroc par exemple, il y a l'appauvrissement systématique des régions berbérophones qui sont dans le milieu rural. Les régions, donc les villes, elles sont, il y a les écoles, il y a les routes, et dans le milieu berbérophone, il n'y a rien. Évidemment, il y a un exode rural beaucoup plus important dans les régions marocaines que dans le centre algérien, au moins en Kabylie par exemple. Et ça influence beaucoup la langue, parce que quand une population peut rester sur place, elle peut encore parler sa langue, mais dès qu'elle est obligée de quitter sa terre, évidemment, la langue disparaît. Et le statut, bon, actuellement, il y a un petit espoir parce que le berbère devient langue officielle, ce qui n'est pas rien quand même, dans deux pays où elle est langue officielle. Mais on sait très bien aussi que c'est un jeu politique. Parce que l'État algérien, pour calmer la Kabylie, pour qu'elle ne demande pas leur indépendance, au moins qu'elle s'arrête de demander ça, on fait que le berbère langue officielle. Mais c'est juste des jeux. Au Maroc, c'est pareil. Pour que le roi garde bien son trône, il faut qu'il fasse la paix avec les berbères, langue officielle. Mais après, dans la réalité, justement, pour que le berbère soit revitalisé, justement ma thèse c'était ça, sur ça que j'ai travaillé, il faut normaliser la langue, hein. La normalisation, donc c'est un concept de sociolinguistique catalane, de faire en sorte que la langue soit utilisée normalement, une langue normale, parce que ça il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas l'entendre, qu'une langue est une langue normale, non votre langue c'est un petit patois, dialecte qui ne sert pas à ça, ma langue oui, elle est prête, faut qu'elle soit une langue raffinée, votre langue bon c'est un dialecte, ça ne s'écrit même pas. Eh bien, oui, l'écrit, ben exactement. Maintenant, on ne peut plus vivre. Je ne sais pas si une langue puisse. C'est un grand problème. L'écrit, on arrive à l'écrire avec. Moi, personnellement, je dis, c'est comme si vous voulez nous blâmer, quoi. C'est politiquement. Je l'écris avec un petit final. Mais c'est. Pourquoi c'est un problème? Voilà, bonne question. Ouais. Ah, merci. Bah, pour garder d'ailleurs, je vais juste donner l'exemple. En Algérie, la langue berbère, c'est une langue officielle, soi-disant. Hein. Puis dans les écoles, quand on vous donne cette langue-là, on ne fait pas suivre derrière ce qu'il faut. Parmi ça, c'est l'écrit. Pour garder une langue, la pérennité d'une langue, elle est aussi dans son écriture. Ça, c'est un très très grand problème en Algérie. Alors, le berbère, justement, c'est une langue à tradition orale. Vous savez que le berbère, c'est l'une des langues qui est dotée d'un système alphabétique.
qu'on appelle le libique, c'est vraiment, pareil, c'est l'un des plus vieux alphabets au monde. Mais les Berbères n'ont jamais utilisé leur propre alphabet pour l'usage de tous les jours. On a toujours préféré, selon la tradition orale. Et ça n'a pas empêché le Berbère de se maintenir et d'être beaucoup plus archaïsant que des langues à tradition écrite. Ça aussi, c'est l'oral. Il ne faut pas imaginer que l'oral, c'est une langue. Ça veut dire que une langue peut être figée, même dans des histoires qu'on raconte oralement. C'est maintenant la civilisation humaine, c'est vrai que la mémoire des personnes maintenant, l'humanité a perdu peut-être le pouvoir d'avoir des histoires qui vont durer plusieurs heures, mais avant, c'était le cas. L'écrit, évidemment, c'est pas obligatoire, hein. On peut avoir des langues elles ont perduré sans l'écrit, évidemment que maintenant c'est très difficile. Le passage à l'écrit, il est obligatoire, mais on peut dire que le passage à l'écrit, en berbère, en kabylie, donc en Algérie, il y a justement un passage à l'écrit. Maintenant, on a une littérature écrite. Tout ça, c'est récent, à partir des premiers romans des années 40, mais c'est les années 70-80 qu'on a vraiment commencé à avoir la naissance d'une littérature écrite. Et c'est le cas maintenant. On a plusieurs centaines d'ouvrages écrits, et chaque année, il y a des auteurs qui n'écrivent qu'en berbère. Mais alors, je pense que votre question, c'est par rapport à les téfinards. Justement, le système alphabétique berbère, le premier, c'est, on n'a pas le libique. Les archéologues ils disent le libique, mais le terme qu'on a encore retenu, qu'on utilise encore, c'est téfinards. C'est le même alphabet, hein, c'est juste chez les Touareg, on utilise le mot téfinards. C'est eux qui l'ont gardé, sont les seuls qui ont gardé le système d'écriture alphabétique traditionnel, qui l'ont gardé, alors que les autres, ils ont tous perdu. Et maintenant, on a revitalisé, donc on a repris les mêmes écritures et ça devient l'écriture officielle pour écrire le berbère, par exemple, au Maroc. Mais alors qu'ailleurs, on a développé un autre système d'écriture à base latine, d'ailleurs gréco-latine, parce qu'on a pris deux graphèmes grecs et le reste, c'est latin. Et c'est ce que les gens utilisent beaucoup plus, parce que c'est plus facile quand on fait du français et d'anglais, c'est plus facile d'apprendre le berbère aussi dans une graphie universelle. Le fait d'écrire le berbère dans une autre graphie que la graphie traditionnelle ne change rien. Ça reste du berbère, on peut même l'écrire avec des caractères chinois. Où est le problème? Pourvu que la langue, justement, elle est parlée. D'ailleurs, pour les linguistes, il y a une primauté du parler sur l'écrit. La langue, il faut qu'elle soit utilisée. Si elle n'est pas utilisée, elle est juste. D'ailleurs, quand on parle de la mort des langues, ce sont les langues qu'on utilise, qui sont plus utilisées, même si elles ont une tradition écrite. Le problème, c'est quand la langue n'est pas parlée. C'est là qu'on peut parler de le syriaque, le copte sont des langues à tradition écrite jusqu'à maintenant, mais elles ont perdu de vitalité dans l'oral. Donc c'est l'oral le plus important, c'est l'oral. Et le berbère, c'est une langue encore à tradition orale. Je pense que c'est ça justement sa force. Évidemment, il faut passer à l'écrit, ça se fait doucement. Et pour sauver le berbère, il faut le normaliser. Toute langue du monde, il faut qu'elle soit une langue qu'on utilise normalement, qu'elle soit à l'administration, dans la famille, mais surtout dans la famille. Parce que souvent, on critique les États, mais le premier problème pour la mort des langues, c'est la transmission intergénérationnelle. Donc, il y a une rupture, c'est là où on peut parler de la mort de la langue. Ce n'est pas qu'elle soit langue officielle ou pas, et qu'elle soit... Vous savez qu'en Occitan, on a le Frédéric Mistral, et même le prix Nobel de la littérature. Il y a un prix Nobel de la littérature pour le provençal. Alors que le berbère, évidemment, il n'a pas, mais ça fait pas du berbère une langue moins vivante que le provençal. Et on voit même si l'inverse. Donc. Pas encore, mais. Oui, mais actuellement, je sais qu'il y a plus de berbérophones à Marseille que de personnes qui parlent occitan. Un prix Nobel, peut-être. Oui, mais ça ne change rien, en fait. C'est pas ça réellement qui change. Est-ce que les personnes. Parce que souvent, les militants aussi, alors pour vous, c'est parfait, mais souvent, c'est l'inverse. Il y a beaucoup de gens qui militent pour la langue, mais eux n'apprennent même pas pour leurs enfants. Des langues qui ne parlent pas la langue. Et ça, alors qu'il y a des populations, justement, ils n'ont pas de ces sujets-là, ils ne sont même pas conscients, mais ils le font d'une manière systématique. Moi, je parle, si mon fils ne parle pas ma langue, c'est comme si ce n'est pas de ma famille. C'est un peu le fonctionnement dans des sociétés où la transmission se fait d'une manière, se maintient d'une manière. Mais dès qu'il y a une rupture, c'est là où il y a un danger de mort. Donc, c'est la transmission intergénérationnelle. Avant qu'elle soit écrite ou la télévision, il faut d'abord qu'elle soit déjà transmise. C'est le premier critère. Donc, si une langue elle est transmise dans les familles et qu'elle est reconnue à l'extérieur, elle est utilisée comme une langue à part entière, là, il n'y a plus de danger pour la langue. D'une manière, quand même, on peut être optimiste. Mais si elle est considérée comme un dialecte, un patois, tout ça, c'est une idéologie d'ailleurs,
Mais il faut d'abord casser cette illusion-là. Toute langue a le droit d'être utilisée d'une manière comme toute langue, voilà, normale. Attends. Est-ce qu'on pourrait avoir un éclairage sur la situation sociolinguistique du côté atlantique? Quand on est allé dans l'archipel des Canaries, oui, on a vu que les Guanche, c'était aussi Amazigh. Alors là, c'est une très très bonne question. D'ailleurs, j'ai écrit un petit truc là sur les Guanches, sur les îles Canaries, mais j'ai pas bon. J'ai vu qu'il fallait que je termine. D'ailleurs, en parlant sur la mort des langues, comment les langues elles disparaissent. Donc souvent il y a des politiques linguicides, mais souvent il y a des génocides. Voilà, beaucoup de langues qui ont disparu comme ça. Hein. Quand on parle des Amérindiens, la plupart les langues amérindiennes ont disparu parce qu'il y a eu des génocides. Et en Méditerranée, donc notre côté là de l'Europe, l'Atlantique, la Méditerranée, il y a deux régions qui ont subi un véritable génocide au Moyen-Âge. Donc c'est Malte justement et les îles Canaries. Donc le premier c'est les musulmans, le deuxième c'est les chrétiens. Donc le premier c'est à Malte, c'est les musulmans, quand ils ont conquis Malte, ils ont tué tout le monde. Malte c'est un petit archipel, là, c'est tellement petit qu'on peut le faire à pied. Donc ils ont exterminé les populations avec leur langue qui a disparu. Et pour les îles Canaries, pareil. Donc c'est une région à l'origine, bon, on le sait que c'est berbère parce qu'on a encore des traces tout le monde, de l'écrit, heureusement. Il y a les Tifinards, mais bon, il y a beaucoup de preuves archéologiques qui le montrent. Que les autochtones des îles Canaries sont des berbères. D'ailleurs la toponymie ça le montre, hein, Tenerife. Ça veut dire en berbère, derrière le désert. Et vous savez qu'ils ont des plages, il y a beaucoup de sable. C'est le sable. Et ça, vous voyez le sable dans le Tenerife. Et il y a justement là des néolocuteurs. En fait, le berbère a disparu. Les Espagnols, ils ont conquis sur l'ordre, soi-disant, du pape, hein, pour évangéliser, mais plutôt, ils ont exterminé tout simplement la population locale. Ils ont exterminé, bon, il y a 1% ou 2% qu'ils ont réussi à épargner. Évidemment, le berbère avec a disparu, et puis donc depuis 1500 jusqu'au début 1900, le berbère a disparu. Et depuis, avec la vague de l'organisation du berbère sur le continent, qui a commencé en Kabylie, ça a touché aussi les îles Canaries. Et maintenant, vous savez, le premier congrès berbère, il y a un congrès qu'on appelle congrès mondial Amazigh, le premier congrès a eu lieu aux îles Canaries. Donc là, ça devient un peu le bastion des berbéristes. Et il y a certains néolocuteurs qui ont même appris le berbère. Mais ce n'est pas le berbère des îles Canaries. Ils apprennent soit le berbère d'à côté, ou voilà, au Maroc, ou du Kabylie. Mais le berbère des îles Canaries a disparu avec la mort des populations. Donc quand il y a une extermination, évidemment. Mais ça aussi qui montre qu'on peut revitaliser. Il y a beaucoup de choses qui peuvent disparaître et revenir. Hein. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler tout simplement de mort de langue. Ouais. Oui, les Normands, ils ont failli exterminer l'anglais. Hein, les Normands, ils ont mis à mal l'anglais en Angleterre et est devenu une langue presque menacée. Et puis ça revient, voilà, une langue internationale qui domine tout. Voilà. Le français au Québec, hein. On parlait du français. Dès le départ, le français était menacé au Québec. Il y avait vraiment la colonisation du Québec. Il y avait très peu de Français qui sont partis au Canada par rapport aux Anglais. Bon, c'est à 5000, alors que les Anglais, c'était plusieurs milliers de personnes. Donc, il y a toujours un déséquilibre dès le départ. Mais jusqu'à maintenant, on a encore du français au Québec. Et parce qu'il y a une politique, il y a, voilà, volontariste, mais aussi la démographie des Québécois à certaines époques. La moyenne d'enfants à la maison, chacun a 12 enfants dans la famille. C'est une volonté de survivre. Donc il y a plusieurs efforts qu'on peut faire pour que la langue... Il y a aussi l'intransportabilité des langues. C'est notamment Barbara Cassin qui a participé à la coordination du dictionnaire. Pardon. C'est Barbara Cassin qui a participé qui a coordonné l'écriture du dictionnaire des intraductibles. Et donc il y a plein de termes que nous utilisons et que plein de gens sont incapables de comprendre, et notamment dans les documents administratifs. Et on a eu des surprises assez extraordinaires. Il y a une expérience qui est montée en banlieue parisienne. Et on demande aux gens, enfin on demande surtout aux femmes, quel est leur nom de famille. Et ces femmes-là ne savent pas répondre.
Elle ne savait pas répondre parce qu'elle ne savait pas si elle devait indiquer le nom du village, le nom du père, le nom du mari. Elle ne savait pas répondre. Précisément, elle ne savait pas apporter la réponse qu'attendent les fonctionnaires. Ces expérimentations se font dans le cadre de la formation des fonctionnaires à l'apprentissage, à la rédaction de documents compréhensibles. Et le deuxième exemple qui est aussi frappant, c'est que quand on demande à ces personnes-là à quel moment elles sont nées, elles répondent toutes le 31 décembre ou le 2 janvier. Et ça, c'est tout simplement parce qu'elles ont peur qu'en donnant leur vraie date de naissance, elles laissent un pouvoir à des gourous ou à des personnes qui pourraient les manipuler et leur envoyer des mauvais sorts. Je crois qu'il va falloir... Sur l'espéranto, c'est une langue qui n'est pas... Il n'y a pas d'état. C'est une langue qui a été faite, fabriquée de toutes... Oui, préfabriquée complètement. Complètement. Ouais. Et ce qui montre qu'on sait parfois... Bon, c'est l'idéalisme, hein. Alors, donc l'idéal... mais actuellement, il y a plus de 10 millions de personnes qui ont l'espéranto comme langue première. Donc oui, c'est pas une langue qui a complètement... Moi, je croyais que ça n'est pas... Eh bien non, en Pologne, elle est beaucoup parlée, mais un peu partout dans le monde, c'est une langue, vivante. À chaque année, ils ont leur congrès des espérantistes. Il y a plusieurs millions de gens qui parlent espéranto. Il y a de quoi à Marseille. Oui, de quoi, voilà. D'accord. Non, je ne savais pas, donc je ne sais pas vous, mais moi, j'ai très envie que Ramadan revienne l'an prochain. Ah, je ne sais pas si vous avez senti, il y a un gratin de chou-fleur qui nous attend. Vous pouvez donner l'emploi du temps des cours à Aix parce que vous occupez d'un DU, de Berbère, vous pouvez nous donner des informations. Ben, vendredi par exemple, 13h, 16h, ce vendredi-là. C'est toute l'année. Et puis lundi prochain à nouveau, nous poursuivrons le cycle langage. Merci à toutes, merci à tous.